Aïe. Bon, allez, vas-y. En vrai, Lulu, on se fait 2 petites heures d'open lobby. Bon, pas de Forza ce soir, tant pis. Et puis voilà. Oh, let's go, Lulu, il a mis open lobby, let's go! Vas-y, vous pouvez rejoindre. Attendez. Mais du coup, j'ai personne là. Je suis abattu. Je suis abattu. Robin, Robin, sur Air Factor 2, Robin. 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 Bizarre. Bizarre, parce qu'il rentre tous les soirs et il me dit, ouais, je suis fatigué, machin, et tout. On travaille dur à la race clutch, des fins e-sport et tout. Là, je vois, il est sur Air Factor 2 en plein milieu de la journée. Enfin, quand même bizarre, hein. Enfin, Pourquoi tu m'invites? Ça va, mec? Parce que je sais pas, je pensais que tu travaillais, je vois que t'es sur Air Factor 2, du coup, je me suis dit, let's go, tu vois. Mais tranquille. Ça va, c'était pour la blague, tranquille. Tranquille. Oh! Chacalinho arrive. Chacalinho arrive. Let's go. Attendez, je vais me mettre en vocal. Chacal, viens. Rappelle-moi, je travaille dans quoi? C'était pour la vanne. C'était pour la blague. C'est bon. Humour, Robin. Je suis dans le channel en live, si Chacal, tu veux venir. Attendez. Hop. F1. Hop. Alors. Hop. À partir de ce moment, ce n'est plus. Voilà. Ah, c'est rigolo. Ah, c'est marrant. Moi, ça me fait pas marrer. Alors, hop. Chacalinho. Chacalinho. Yo, yo, Fahrenheit. Hello à ceux qui arrivent. Propose à Bichou. Je pense que Bichou, il a bougé en vrai. Je pense qu'il a autre chose à foutre que faire du F1 toute l'après-midi, frérot. Yo, hello. Hello, Alexandre. C'est fini. Non, ça commence là. Ça commence. J'attends juste chaque aligno. Je vais faire le réglage. Alors, 20. Voiture de F1. Fixée. Hop. Salut, mon ref. L'équipe. Quoi? Va, mec? Au dépourvu, j'étais en train de manger, moi. Est-ce que je t'ai rendu fier dans l'open lobby d'avant? Tu m'as fait honte. Enfin, pas honte, mais je Quoi? suis déçu de toi. Mais t'es malade! T'as fait une belle course, mais on t'a prévenu pour la sortie des stands. Parce qu'il y avait la Mais. P1 à jouer. Et t'as choqué comme Mais une. no joke, j'étais tellement focus! J'étais tellement. Il lance en mode carrière. Attends, je vais aller lui demander au pire. On va aller demander, mais le pauvre. JL Bichou. Est-ce que t'as toujours rêvé de stream avec Bichou? Ouais, grave. Attends. Ah ouais, mais il fait une Bonjour, carrière, Nice. il va faire le mode solo. Attends, hop. Hop. Oh, faut attendre, non merde! Vu que j'avais pas follow. Aïe, honte à moi, vu que je ne suivais pas Bichou. Faut attendre avant de parler. Aïe. Bon, bah si vous êtes dans son chat, dites-lui. S'il veut venir rouler, il peut venir. S'il veut venir apprendre à rouler. De toute façon, vu comment vous roulez dans mes lobbies, va pas être surpris le pauvre. Hein. Il va rien comprendre. Bon, quand il va avoir Azubalex et compagnie. Tu rejoins ou pas que je puisse ouvrir la session? Ouais, 2 secondes. Je te mets pas la pression, hein, non, t'inquiète pas, mais. Par contre, moi, je vais te mettre la pression. Si tu tues cuit, attention, hein. Pardon? T'as pas intérêt à tuer cuit, le pauvre. Mais. Bah si! C'est une star de la chaîne, et il a pas le droit, enfin, il a le droit de vivre. En vrai, le chat. On est d'accord, faut l'enlever le. Frère, c'est bon. Regarde, il est heureux. On est en 1820 pour faire des bruits pareils dans une chambre. Il n'y a pas de bruit comme ça en 1820. Tu y étais? Ouais. Ok, bon bah c'est un bon argument, tu me diras si tu étais. Ok les gars, j'ouvre la session. Ouverte, vous pouvez tous rejoindre. Vous cherchez les lobbies, course détendue et vous allez me trouver. Oh, détendu. Ouais, détendu, enfin c'est le jeu qui dit ça. Quand la pédale va rester enfoncée, il va pas falloir parler chinois. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ah merde, prends une voiture. Viens, on va chez Red Bull, mec. Ok, va pas chez Red Bull. Viens, on va chez Ferrari. Ok, va pas chez Ferrari. Viens, on va chez Williams. Ok, va pas chez Williams. Ok, on aura pas de voiture. Va chez As, personne prend As. Non, mais y'a Merox, mais casse-toi, Merox! Mais chez Alpha Romeo, je suis tout seul. Let's go, bien vu! Let's Bien vu. go! Let's go!
Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, par contre, on va tous vous muter. Quelle course on se fait? J'avais pas prévu de faire un open lobby, mais c'est vrai que là, la course avec IM a bien chauffé en vrai. J'ai des questions à poser au chat. Vas-y, on va pouvoir parler de tout et de rien, les gars, aujourd'hui. En vrai, c'est bien de streamer à 4h. Parce qu'après, ça te laisse la soirée, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, mais tu dis surtout ça parce que ça veut dire qu'il n'y a pas Zubalex parce qu'il est en cours. dire. On connaît, hein. Oh, c'est un détail. C'est un détail. Bon, j'ai mis 5 circuits, un peu au pif. Tout le monde est prêt? Tout le monde a une voiture? Lance vite, je t'en supplie. Oula, Merox, qu'est-ce qui se passe? Note, je suis de ton lobby. Vas-y, tu voulais nous poser des questions, mon petit Chakalignon, on t'écoute, hein. Enfin j'ai besoin que le chat fasse des propositions. Qu'est-ce qu'il Ah. mettrait comme sub goal pour quelqu'un qui n'a jamais streamé? En fait, mais faut donner un contexte. Faut donner un contexte. En gros, du coup, dans 2 semaines, on va participer à la Sim Dream, donc un live caritatif de 12h un dimanche. Et il y a certaines personnes qui vont y participer. On va pas donner de blase, mais il y a des mecs, par exemple, genre leur pseudo, ça commence par Jerem, ça finit par la base, qui ont jamais Connais streamé, pas. mais qui vont devoir trouver des idées de donation goal. Mais tu sais que moi aussi, il faut que je trouve des donation goal, du coup. Ah oui. Et lui, Et il est en oui. panique, hein, parce que je crois faut que vous devez les rendre pour le 5, je crois, un truc comme ça, il a Bon, toujours on rien a lui. 3 jours. Tant Aïe, qu'on n'est aïe, pas le aïe, 5, aïe, moi je suis aïe. pas en panique. C'est vrai. Mais Bah, toi, ça se voit, tu faisais tes devoirs à 23h le soir pour les rendre le lendemain à 8h. Ouais, exactement. Toto Wolf, canard. Yo, Antox. Ah, mais faire le Toto Wolf et le canard, c'est pas drôle pour des donation goals. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à Jerem? Acheter un maillot de Marseille, par exemple. Ouais. Bah ouais, il est pour Paris, non? Ouais, ça m'arrivait en vrai le Mino. Ça, je suis sûr, je suis pas le seul. Hein. De toute façon, il y en a plein qui l'ont fait. T'avais cours à 9h30, tu te levais genre à 7h30 pour faire ton truc et tu le faisais avant d'aller en cours. Ou sinon tu le faisais pas, puis tu cherchais une excuse. Non. Combien de subs Bah tu t'achètes faisais un tes maillot de la devoirs. SSE? Alors, je le fais pas. Hein. Vraiment, je le fais pas. Ou alors, vraiment, 4000 subs. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais avoir un maillot de Saint-Etienne, ça me rendrait vraiment pas bien, je pense. No joke, hein. Se renommer Jerem la bouse. Non, mais attends, pour de vrai, t'as jamais fait tes devoirs avant d'aller en cours le matin? Bah si, ça m'est déjà arrivé dans le bus. Ah, oh, dans le bus, pardon, je sais pas comment tu faisais, gros, vraiment. Mais je pense qu'on n'avait pas les mêmes bus. Bah, ouais, non, les Toi, bus t'habites en d'Alion, ville, ouais. donc t'as les bus où t'étais debout, debout, pardon, tu vois, Ouais, c'est c'était les bus... ça. Moi, c'était les bus scolaires qui passaient dans la campagne, ou c'était les genre les bus où tout le monde est assis. Tu vois, les gros cars où il y a plein de places. Attends, je vais faire un tweet pour dire qu'on est en live. Open lobbyzer. Non, pourquoi vous avez mis prêt? Pourquoi vous avez mis prêt? Hop. Twitch.tv. Après, on fera une story. Vous pourrez mettre vos messages, vos dédicaces pour Ah je sais pas oui. qui. Non! T'as besoin d'idées de sub goal toi aussi? Non! Oui! Conduisez pas Ah au volant, les gars, oui. c'est dangereux. Mais non, mais la piste, ça tourne à gauche. Ok, c'est bon, je crois que j'ai mis le tweet. Oui, j'ai mis le tweet! Tout va bien! What? C'est quoi ça? Oui! Ah, j'ai Y pas a mis le re... meilleur circuit en vrai. Hein. Oh, Ferrisson a bugué, je crois. Remise en piste auto, mais c'est qu'est-ce... Ah, tu l'as eu toi aussi tout à l'heure? Ouais, ça m'a genre, je sais pas, j'ai eu une animation, ça m'a remis sur J'ai la vu ça piste, hein, je aussi, suis en ouais. train de spin, Quand je j'ai suis cru me sorti à rentrer Jeddah, j'ai dedans. vu ça. Ne conduisez pas au volant. Non, merde! Non, pas conduisez pas au volant! Non, Mais ça me téléphonez paraissait pas! bizarre. Fait. Téléphone. Non! Remets pas dans le bon sens! Oh non! Bah si! Téléphonez pas au volant! Ah ouais, remise! Mais ça fait quoi si? Bah, il te Oh, remet dans what? la piste, au moins tu étais déjà en train de conduire. Oh, c'est stylé en vrai! En vrai, c'est stylé, hein! Ego Dumper, je vais exploser! Oh non, me dis pas que t'as eu un bug du jeu, ça veut dire qu'on va l'avoir. Mais ça fait ça dès que tu sors dans la piste, donc si tu sors un peu large, il commence à... Ouais, bah ouais, parce que moi tout à l'heure, j'avais pas spin ou quoi, hein, juste j'avais été un peu large. Ça avait bien marché, tu vois. Ça l'avait déclenché, quoi. Je savais pas que c'était un no rules.
Toujours des no rules des open lobby, les gars. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, t'es pas en cours. Hein, Chacal? Moi? Ouais. Non, j'avais cours ce matin. Oh, la belle vie. De commandes dans un stream, c'est un record. Pour moi, ouais, je pense. Quoi, la première commande? Mais comment vous êtes tous en... Qui est en week-end, là? Non. T'es pas le seul dans le chat, tout à l'heure, y'en a, ils étaient déjà en week-end. Comment ça se fait? Pourquoi t'as pas cours vendredi? D'habitude, si, mais j'ai un cours... Enfin, j'ai deux cours annulés demain, parce que mes profs ont des conférences à faire. Ok. Vacances, quoi? Non, alors... Non, les vacances, doser, non, quoi. Mais jamais, ouais, jamais t'es en vacances, frère. Ou alors tu taffes et t'as posé des vacances. J'ai un pote qui est en BTS, justement, il finissait les cours aujourd'hui. Mais genre, après, il est en... il bosse, quoi. Mais il stage. Non, pas vacances. Je suis au chômage, let's go. Oh, pardon. Salut, Chacal. Génial, pourquoi je me suis fait... Eh, vas-y, ça commence mal. Eh, vas-y, ça commence mal. C'est quoi ce mot, les vacances? Tu sais, les vacances qu'on va prendre en... je sais pas quand, mais on va les prendre. Mais comment vous êtes en vacances? Pardon, Chacal, désolé. Oh. Ah ok, d'accord, très bien. Covid perso, aïe 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 aïe. 5 mois que je suis en week-end, FC chômage. On est ensemble. En vrai, c'est trop bien d'être au chômage, je pense. Tu te lèves, t'as pas de problème. Ils ont tué le rose. Non, non, les remises auto, je pense que tu peux les désactiver. Je sais pas comment on fait, mais... Oui, les vacances, c'est le 18, on est d'accord. Ouais. C'était pas à 20h l'open lobby ce soir. Alors de base, c'était 20h Forza. Je t'avoue que finalement ça se transforme en 16h Open Lobby Ben. Mais content de voir que c'est là. Tu fais ça. De quoi? Non mais toujours plus, toujours plus. Tu sais que tu bugs. T'as disparu de mon écran là. Ouais je sais mais c'est, enfin, ça me fait des désynchros parfois comme ça. C'est rare d'habitude. D'habitude y'a jamais de bugs. Hein. Mon collège je veux pas fermer. Rip hein. Les vacances. Oh, les zones. Attends, tout le monde est en vacances en même temps à Noël, non? Oui. Ouais, c'est ce que je pensais. Que les zones, c'est quoi? C'est en fonction des départements, je crois, ou un truc comme ça? Région, je crois. Non, tu sais, les académies. Ah, département. Ah, je sais plus, ouais. Je sais plus. Je suis au boulot, je peux pas jouer. Aïe, aïe, aïe. Prochaine, Ben. Prochaine, t'inquiète, bref. Yo, 4 encore, ça va ou quoi? Alors là, 4 voitures à doubler, hein. 4 voitures à doubler, là, come on. C'est pas les académies, mais c'est quoi les académies? C'est quoi qui définit les académies, genre Académie de Lyon, Académie de Marseille et tout? Ouais, je sais pas, sur quoi c'est... Moi, je pensais que c'était les départements, genre, si t'habites là-bas, là-bas... Bah, je sais qu'en Haute-Savoie, j'étais sur l'Académie de Grenoble, donc... Vous avez une académie à Grenoble? Il y a une académie à Grenoble ici, maman. Putain, non! T'es allé dans quel lycée à Limoges? Alors, moi, je suis arrivé à Limoges l'année dernière quand j'étais au chômage, donc... J'étais à Lyon, à l'école. J'ai fait toutes mes études à Lyon, moi. J'ai plus de batterie, j'ai envie de mourir. Putain, j'avais plus de batterie sur la ligne. Sérieux, j'ai envie de mourir. Aïe, 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 aïe. T'as vraiment été au chômage? Non, non, j'étais pas au chômage. En fait, j'ai arrêté pile. J'ai arrêté les cours. Enfin, j'ai eu mon BTS. Et en mode à la rentrée, j'étais youtubeur. J'ai pas eu de chômage, techniquement. Du coup, ce soir, pas de stream. Ouais, ce soir en fait, je me dis que ça peut être intéressant parce que comme ça je peux vous faire la vidéo de My Team et si tout se passe bien, elle peut sortir demain du coup. Si je la finis ce soir. Il y a un monde qui existe là actuellement où je finis la vidéo My Team ce soir, je la commente et elle est prête demain et je l'upload. Le fameux My Team, exactement Mika. T'as quel âge Chacal, 20 ans?
21. 21 ans. Bientôt 22, hein, on arrive. C'est vrai? T'es né combien? 1er mars. Tu vas faire un cadeau. Oh, heureusement que tu m'as pas dit le 1er avril, hein. Ça Ah, aurait été ça veut dire que très. j'aurais été une blague, hein. Ouais, ça aurait été très très drôle. Hein. Ah bon, hein. Ça se passe bien le My Team? Écoute, on va pas revenir là-dessus. T'aimes bien Limoges, ça fait 19 ans que j'y suis moi. Pour l'instant, en vrai, on n'a rien fait à Limoges, frère. À part des foot, à part aller se faire courser par un boucher dans un escape game, et aller boire un coup dans la rue de la soif, ouais, c'est ça? La rue de la soif. Pas grand-chose en vrai. Hein. Je suis né le 1er avril. Aïe, 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 aïe. En vrai, tu dois te faire vanner quand t'es né le 1er avril, gros. Ça doit vanner sévère. Titi-titi-titi-titi-tim. Palmarès de Limoges, 2 points. Palmarès de Limoges, Alpinisport, La Porcelaine, Hydro. Et comment il s'appelle? Il y a un youtubeur FIFA aussi de Limoges. Oh non, comment il s'appelle? Robert. Ouais, c'est Robert ça. 87 000, Robert jure. 87 000. Mais il est de Limoges, Oh lui. le roi, je Il savais est de pas. Limoges. Et il y a un TikToker aussi qui est de Limoges. Alors là, je t'aiderais pas. Hein. C'est un mec qui fait genre avec des effets et tout. Il est assez drôle en vrai. Ce bon vieux Robert. Voilà. C'est les Il trois s'appelle pas palmarès. Robert. Ah, je sais pas s'il s'appelle vraiment Robert en vrai. Non, il Ah s'appelle ouais, Cédric. mais pourquoi il s'appelait Robert alors? Ah, j'en sais rien, non, il y en a parfois, ils décident de donner un prénom, un pseudo, et c'est pas leur vrai prénom. Tu vas pas C'est t'appeler pas genre Mathieu art. 92? Et si tu t'appelles Vincent? Bah, genre art s'appelle pas Jean. Mais parce que c'est un pseudo, c'est pas son nom. Oui, mais voilà, mais c'est parce que c'est un pseudo. Je Je me veux doute que bien, tu je m'appelle t'appelles pas pas Chacal. Robert. Enfin, Ah, bah si, genre. mais c'est ça mon prénom. Ok, super. Merci Rafio pour le resub. Il y a des jeunes à Limoges. En vrai, ouais, je pense. Il y a une université. Il y a deux universités, je crois. Ouais, il y a En le fait, Staps à Limoges. il y a STAPS à Limoges. Ouais. Les larmes. Je sais pas ce qu'ils font, les pauvres, mais. Mais bon. Il y a la femme au canard aussi à Limoges, exactement. Avec sa laisse. T'as toujours du mal sur les départs. Hein. Ouais. Oh là là, devant. Oh là là. Ça me change de la course avec Tom quand même. Hein. Son pseudo c'est Robert, mais il s'appelle Cédric. Ok, ouais. Je savais pas. Oh. Un croche-pied, tu tombes. Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Rien, ouais, non, j'ai rien Oh, dit. ya 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 ya, mes frères, il l'a défoncé! Si vous voulez, on passe en rôle directement, si c'est ça. Hein. Oui, parce que bon, là, on est fatigué. Non, parce que si vous savez pas conduire, fais le stream Forza ce soir. Hein. Il y en a beaucoup que je connais pas, ils ont l'air d'être pires que d'habitude. Ouais, j'avoue. Il Non, manque mes les frères. stars. À quoi tu joues? Oh, c'est Mange tôt. l'ovier, frère. 16 h, c'est tôt pour s'énerver, chacal. Hein. Va Vraiment. vite, Hein. frère, c'est bon. Il est tout seul sur la piste. Oh, aïe, 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 aïe. On va aller nos rolls, ouais, on va faire un rolls après. Oh Sur là la là. carte, le petit point Bordeaux tout au fond. C'est toi? Bah ouais. Pas de chance. Il y a l'Alpine de Halid un petit peu plus devant. Attends, ouais, il y a une belle bataille devant là. En vrai, là, ça se bat. Attends un petit peu là. RIP. Come on, let's go. J'ai mis F dans le chat quand Arava il a spin. Ah ouais? Ouais, Ah j'y ai vraiment, pensé c'est que avec ça toi. m'a fait rire. T'as vu Vraiment. ton héros Mon d'enfance héros, spin oui derrière bah oui au toi. moins oui. Bah, il C'est te qui donnait des le tout screens. premier YouTuber F1 que t'as regardé? C'est qui les gars, le tout premier YouTuber F1 que vous avez vu? Moi? Ouais toi vas-y. Bah, je suis en train de lui parler actuellement, donc. C'est vrai, avant moi tu regardais pas les vidéos F1? Non, pas vraiment. Ok. Enfin, Toi, sur PO, le jeu en Arava, tout cas. Nathalor. Green flag. Ok, toi, Galax. Oh, Fifi. Alors, ouais, alors. FIS fan 91, c'est très vieux. Hein.
C'est un très peu con la ref à mon avis, PO. Defielo, be good, toi. Toi, Defielo. Allez, come on, les gars. Ben, ok, Galax, Maxou. Personne m'a sorti les mecs de 2013 ou quoi là. Presque déçu, Jeff, ok, Defielo. Ok, ok, ok. Jeff, ça date aussi. Ah, Jeff, il stream des fois encore. Bah, peut-être plus récemment, mais. Ouais, non, mais l'époque où il était bien présent. La bonne époque de l'Andevi Cup, lol. T'as pas connu ça, toi? Non. T'étais pas né. Hydro 2016 avec Ferrari. Oh là, ça date ça aussi. Ah, vraiment, la saison où tu te battais contre les Force India. Il s'agirait de laisser carrière. De la place, monsieur. En vrai, c'était une bonne saison, moi j'aimais bien. X-Match-G. Putain, quand il faisait. Oh là, qui se souvient du championnat en 2015? Ils avaient fait une coop avec Ben, Machi, Noble et. Une toute de barrière. Non, c'était pas une toute de barrière. Non, mais non, Soso, t'abuses, frérot. Je sais que c'est pas voulu, mais quand même. Non, là, t'abuses, mon ref. Salut, Chacal. Comment ça, position ACD? Mais. Je te la rends, vas-y. Oui, non, mais c'était pas à toi. Non, mais c'est quoi cette trage? Il avait pas pour projet de. Avance! Là, un peu, hein. Attends, je vais te le dégager celui-là. Non, mais Chacal! J'ai prévenu, il fallait ouvrir un peu plus le volant. Il me fatigue. Oh, c'est vraiment nul ce truc de respawn par contre. Ça j'irai de prendre le virage pour l'autre. Je savais pas rouler. En vrai, ça me déprime vraiment. On peut pas faire de bonnes courses avec vous. Impossible. Impossible. Ouais, ouais, yo Hugo. Je t'ai fait virer comme un malpropre. Attends, mais de toute façon, on refera le lobby à la fin du championnat là. Vas-y, Chacal, donne tout ce que t'as, on se bat un petit peu là. Montre au chat un petit peu ce que tu vaux là. T'es nul! Non, mais. T'as un problème de direction assistée peut-être, non, un peu. Mais t'es claqué, frère. Je suis tout derrière, j'ai glissé hein. T'es super nul, mec. Là, c'est un lobby où tout le monde peut rejoindre. Je pense qu'Ajibalex est meilleur que toi sur F1. Oh bah oui. De loin, vraiment de très très loin. Il est 16h50, tu essaies déjà de me faire sortir mes gonds là. Mais gros, je le promets, hein, en 2022, je reviendrai à mon prime. À ton prime, c'est quoi ton prime? Bah, il est pas encore passé. Mais ça viendra. J'aurai le matériel pour. Comment tu reconnais le prime de quelqu'un, mec? Oui, t'as qu'une. Encore cette question. Bah non, mais... Comment tu sais si t'es à ton prime? Comment je sais si je suis à mon prime, là? Tant qu'en soi, tant que t'as pas fini ta carrière, on peut pas savoir. Ah, donc là, ça se trouve, on ne sait pas encore le prime de Lewis Hamilton, par exemple. Ah, peut-être, tu sais pas, hein. Imagine, saison 2022, il a une voiture qui est correcte, genre au niveau de Red Bull avec la meilleure voiture, mais il froisse tout le monde quand même. Ouais. Mais du coup, tu peux quand même dire qu'il a eu son prime de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Pas forcément de sa carrière, oui, alors... tu vois. Voilà, c'est pas un prime de la carrière, mais c'est un prime de sa carrière pour l'instant. Ouais. Donc c'est un prime définitif. Là, elle a dit que quand tu commences à perdre en performance. Pas faux, ça, en pas forcément, tu peux rebondir. Bah, du moment... Si, en vrai, un athlète, du moment où il monte en perfo, il gagne, quand il commence à perdre, il est plus dans son prime, du coup. Techniquement. Non, mais il peut revenir encore plus fort. Ouais. Ouais. C'est comme les pneus soft, ça a une deuxième vie. Oui, bah oui, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Je suis en train de chercher un exemple d'un mec qui est revenu à son prime, genre. Quel athlète était super fort et devenu moins bon? Il est redevenu super fort. En F1, il y a qui par exemple? Schumacher, mais Schumacher, il est jamais revenu vraiment à son prime en vrai. Hein. J'ai eu trop peur, j'ai vu Azadak, j'ai cru que c'était Azu, j'allais faire un nom, il est là. Traumatise. Messi au PSG, bah non. Jordan, je connais pas assez ça. En fait, je connais pas assez les carrières, je pense. Alonso. Bon, Alonso, il est pas revenu au prime encore. Hein. Il est pas dans son prime. Nadal. Joko. Ah, Nadal, pourquoi pas en vrai. En F1, il y a Aki qui a fait genre une pause et qui est revenu et qui a tout froissé. Parce que par exemple. Qui a fait une pause ou une période un peu moins bonne? Ouais, une période un peu moins bonne, tu vois. Une période où il était en dessous, genre. Parce que par exemple, je prends l'exemple d'Alonso. Alonso, il est pas encore au top, tu vois. Tu peux pas dire qu'il est dans son prime alors qu'il fait un podium sur 20 GP, genre. Prost. Ouais, Prost, ouais. Loda aussi. Bah ouais, Loda, ouais. Ah ouais, Loda, c'est quoi son prime du coup? Oh non. C'est quoi le prime de Loda, j'avoue? Parce que Niki Loda, il a eu. Attends, il a eu son. Non, il est là. Il C'est a pas eu possible, son. frère, il a jamais eu cours, lui. Il a un beeper. Dès que tu lances ton F1 2021 et que tu passes en mode open lobby, ça bip. Du coup, il est prévenu. T'es dur Parce avec que Alonso, oui. il a un Kangoo. Non, mais je suis pas dur. Je suis d'accord que en termes de perfo individuel, il est incroyable. Mais vu qu'il a pas la voiture, il gagne pas, tu vois. Et tu peux pas dire de quelqu'un qu'il est dans son prime. Alors ça aussi, c'est un débat en vrai. Est-ce que quand t'es dans ton prime, t'es forcément champion, t'es forcément devant la sur le devant de la scène et tout. Parce que genre Non. Alonso par exemple aujourd'hui, est-ce qu'il est dans son prime? Il conduit extrêmement bien, il a une voiture de merde, il gagne pas, mais pourtant il fait des perfs de fou, tu vois. Bah d'après ce qu'il a dit, oui. Alonso l'avait dit en interview, Ouais. j'ai jamais été aussi fort. Ok. Au niveau de la conduite en tout cas, parce que après il a pas forcément la voiture qu'il faut, Bah ouais, etc. c'est ça, tu vois. En F1, c'est dur. Hein. Gasly, il a son prime. Moi, je pense que Gasly, ouais, actuellement, il a son prime de loin. D'ailleurs, je me demande comment son prime va se finir à Gasly. Qu'est-ce qui va faire qu'un jour ou une saison, ça marchera plus, genre. Il sera plus devant et tout, tu vois. Il va repartir chez Red Bull. Oh, j'espère pas, frère. Oh. Ça arrivera, hein. Il a tout ce qu'il veut, lui, Non. donc. J'espère vraiment, vraiment pas. Hein. Quel est le prime de Rubens? Bah, ça, c'est Ferrisson qui va te répondre, mon ref. Hein. Vraiment. Souvent une saison où il a fini deuxième. Bah, ouais, parce qu'il avait jamais fait mieux, le pauvre. Donc, oui. C'est possible. Oh, Ferrisson, ça va? Attends, je vais juste checker un truc. Nanana. Attends, on a fini combien, non? Ah, on a fini P3 avec Bichou sur le résultat du truc. T'as Ah, fini battu. P3. Bah, ouais, mais non, c'était un truc d'équipe. Bichou, il était dans mon équipe. On a fini P3. Vas-y, Mirox Plus. A plus, à plus. Gasly chez Mercedes en 2024-2025, on y pense. Mirox, il est venu sur le lobby, il a posé ses Ouais. couilles, il est Il s'est parti. barré. Ouais, je sais pas. Je sais pas, Gasly. J'ai vu une interview d'Hamilton qui me fait beaucoup rire. Hamilton qui dit que aujourd'hui, il n'est plus pareil mentalement et qu'il souhaite voir Russell réussir chez Mercedes. Donc il lui fera pas de Alonso, genre. Il lui fera pas de coup de pute, etc. Toto, il a dû arriver, il a fait toc toc toc. Hâte de Il est voir si gentil c'est avec vrai. Russell. Hein. Toc toc toc, sois sympa. Tu sais, c'est comme quand tu présentes ceux qui ont un chien, quand vous avez un chien âgé et que vous lui présentez un petit chiot que vous venez d'adopter. C'est tout pareil. T'es là en mode, allez, sois gentil, joue avec lui, sois sympathique. Exactement la même. Moi j'y crois, moi. Moi j'y crois perso. Normal, t'es en spec. Quoi? Oh mais il est en spec, mais quel débile, mais. Hein? Ça, c'est la vision spec. C'est une blague. Non, non. Bon, tu vas pouvoir commenter la course. Pourquoi je suis en spec? Qui c'est qui a pris ma voiture? Ah, c'est toi qui as dû appuyer sur un bouton. Je suis abattu. Qui c'est qui a pris l'Alfa Simon, je crois. Romeo? Non, elle a Je l'air d'être compare 19. Hamilton à un chien. Non, pas du tout. Qui verra pas.
C'est une blague. Mais c'est une blague! Mais c'est démentiel! Démentiel, il a pris ma voiture, ce bâtard! C'est toi qui l'a laissé, hein, du coup. Ça va, vous, le chat? Moi, nickel. Mais non! Oh là. Oh là 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 là, mais c'est n'importe quoi! Mais what the fuck! Oi, 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 oi. On va avoir un open lobby vu de l'extérieur, les gars. Ok, devant, il y a déjà deux voitures en tête à queue. Comment, comme si c'était les fins sport. Bah non, oh là 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 là, mais c'est... Oh, mais Chaps. Oh. Oh là là, mais c'est... Mais what? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh là là, mais c'est vrai que là, je me rends compte de... Mais qu'est-ce qu'il fait? Du coup, c'est pas possible. Oh, Ferrisson, comment il bug. Eh, vas-y, mangez vos morts, c'est bon, c'est terminé. Frère, oh. Finir à manger. Oh, ah, je suis mort. Sache que, vraiment, pile nul de toi. Au moment où tu l'as percuté, je suis passé sur toi, c'était parfait. Le onboard était synchro. Magnifique. Aïe, 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 aïe. Un vrai bon open lobby comme on les aime, hein, vraiment. Maman. Je suis une cible et mon ordinateur n'est pas fait et conçu pour suivre. Non mais Axel, non mais Axel, frérot. Axel, on était sur toi. Frérot, mais non. Oh, devant ça va se crash, les gars, devant ça va se crash. Voilà, c'était sûr. Oh. C'est une cata, vraiment. Mais ces mecs, sur un vrai circuit, il y a un drame tous les week-ends. Oh, bah alors là, crois-moi que ces mecs, ils font pas de course, hein. Non, mais... En plus, il a pris ma voiture, lui, pour faire ça. Sérieux, là? Toujours des accidents, c'est vrai. Vas-y, Azu, à plus. À plus, à plus. Je pense qu'il y aura des accidents à Jeddah, toi, Chacal. En course ou en essai? Bah, les deux en vrai. En essai, oui. En course, tu en penses en course, oui. Non, je pense virage 2, le vibreur, ça va s'envoler, ça va finir dans le mur d'en face. Mais plus d'une fois. Catastrophe, vraiment. Vraiment, vraiment. Je l'ai déjà vu la vidéo forti du mec qui imite des pilotes. C'est quand même pour Ricardo sans le talent. Est-ce que Ricardo a du talent déjà? La Restrelle, c'est bizarre, on dirait il rate tous les points de corde. Obligé de Leclerc se manger ce week-end. Je sais pas en vrai. Un boy c'est full pour l'instant. On est full, faudra rejoindre au prochain lobby. Lucas, arrête de t'acharner! Lucas, pas de match s'il te plaît, sinon c'est ban. Vu la vitesse et les murs, c'est sûr. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde dit vu la vitesse et les murs, c'est sûr qu'il y aura des gros accidents. J'écoute pas Lucas. C'est pas ce que tu viens de dire, Hydro. Pas de majuscule dans le chat, s'il te plaît. Oui, c'est passé quoi? Chacal qui s'énerve, comme d'hab. Yo Max, hello hello. Parle mieux de Daniel, ça va, je rigole. Alonso n'est pas à son prime car il met pas 2 secondes à Ocon et Ocon a gagné un GP. Je crois que même Ocon a terminé plus souvent devant Alonso. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je viens de nous montrer comment se finir la carrière d'Hamilton, il va se retrouver spectateur sans rien comprendre. Ah, c'est plus de... Ouais, non, je sais pas, j'allais faire une vanne, mais non. Moi, je pense qu'il y aura pas l'accident, hein. Je suis comme pas masse en perso. Hein. Je vois vraiment pas pourquoi le fait qu'il y ait des murs et que ça aille vite, on aurait des gros accidents. Hein. Au contraire, si c'était un circuit sinueux et tout, je dis pas, mais là, les mecs, ils ont juste à faire attention sur les lignes droites. Dans les virages rapides, si jamais ils se loupent, ils peuvent cut ou ils peuvent aller dans l'échappatoire. Non, mais en essai, c'est sûr déjà qu'il y aura des... Ouais, en essai, mais en essai, il y a toujours des crashs, tu vois, parce qu'ils push pour voir la limite du circuit, en vrai. Et en course, non, je pense que... En course, alors, le boss, merci pas mal pour ton frère.
Le moindre truc, c'est red flag déjà. Parce que pour évacuer, ouais, ça déjà, met ouais, en ans. plus. Ou alors, au moins safety car, je pense. Mais ça va tellement vite, ils vont essayer de se suivre. Et on connaît les gens qui changent de trajet d'un coup. Ouais, je suis pas si sûr en vrai. Hein. Je suis pas si sûr. Ouais, j'avoue, la sortie et l'entrée des stands, c'est quelque chose par contre. La sortie et l'entrée des stands, c'est un peu le bordel. Oh là là, mais non, mais je me mets sur quelqu'un, il spin. Tu dis ça parce que t'as pris 6 secondes de pénalité ou... Ouais, bah ouais, totalement. J'ai encore le seum. Hein. J'ai encore le seum. Hein. Singapour est plus dangereux et personne n'a peur. C'est ça en fait que je comprends pas. Merci Olivier, 500 balles sur mes épines dans le mur. Facile. Mais Singapour, on va vite. Les murs sont plus proches. Et c'est aussi sinueux. Enfin, je vois pas, tu vois, personne ne dit que c'est dangereux ou quoi, Singapour. Ça doit passer de 300 à 80 en très peu de temps, ça termine. Ah ouais, mais bon, c'est le principe d'un freinage. À Bakou, tu passes de combien au bout de la ligne droite au virage 1 à combien au freinage? C'est pareil, tu passes de 330, je pense, 320. Ah ouais, 100 km/h, même pas. Singapour, il n'y a pas de virage rapide avec les murs proches, il n'y a rien à voir. Ah, quand même. Alors, ça dépend ce que tu entends par rapide. Il n'y a pas des virages aussi rapides que Diona, je suis d'accord. Mais tu passes quand même à des super grandes vitesses. La piste est plus large. À Jeddah ou à Singapour? Oh non mais le clou. Non mais please. En vrai j'attends de voir les batailles parce que ça a l'air dur de dépasser IRL. Je sais pas si c'est dur. En fait, je pense que c'est dur de faire des freinages et de faire des dépassements sur les freins. Mais au DRS et dans la longue ligne droite, ce sera facile pour doubler. Le circuit, on sait pas ce que ça donne sur la sécurité de ce GP. Ouais, moi le seul truc qui m'inquiète un peu quand même, c'est de voir que bon, on est quoi? On est jeudi aujourd'hui? On est jeudi? Va y avoir. Va y avoir. Comment dire? Il y a encore des travaux aujourd'hui sur le circuit quoi. Ils sont encore en train de terminer le GP. Oh là là, mais oh là là, mais frérot! Frérot, depuis que je suis sur toi, c'est nimpe! Comment ça, je me suis fait virer? Je me suis pas fait virer, j'ai laissé ma place à je ne sais qui. J'ai hâte de voir le grip de la piste. Ouais, pareil, j'ai hâte de voir la FP1. La FP1, ça va être clownesque à mon avis. Hein. Quand on va voir que les voitures partent en tête à queue toutes seules. Je me suis fait virer. C'est quel côté, côté de la grille Droite. Enfin, les côtés de la grille. Pole, la pole est à droite et okay. Le deuxième est gauche. Tout ce qui est impair, c'est bon. Comment ça, je prends pas les points de corde? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Quand j'ai regardé Tetra, j'en avais l'impression que tu ratais la corde. Les F2, ils sont, ouais. Il y a les F2. La F2, par contre, j'avoue que j'ai plus peur. Hein. Parce que de 1, les pilotes de F2 savent pas conduire. De 2, les voitures sont beaucoup plus dangereuses, plus lourdes et moins rapides. Et de 3, bon, bah, c'est la F2, quoi. Hein. La F2, c'est toujours le bordel, donc... On verra. On verra, on verra. C'est que les F2 en bout de ligne droite et voir un Dan Ticktum mettre un giga coup de volant. Mamma mia. Mamma mia. Ça va arriver. Hein. Quelle honte, j'étais trop fort avant que tu prennes ma cam. Ah bah bizarre. Bizarre. T'étais trop fort quand je suis venu sur toi. La F2 c'est ce week-end, Forti. Vous avez eu quoi dans le calendrier hier? Ah, j'ai pas de calendrier, arrête. Ça me déprime. Aïe, aïe, aïe. T'as eu quoi dans ton calendrier, Chacal? J'ai eu une réponse à Lucas, en lui disant que l'accident sur la course d'aujourd'hui n'était pas ma faute. Et sinon, j'ai une barre protéinée, à la noix de coco que j'ai jetée à la poubelle parce que j'aime pas la noix de coco. Attends, mais t'as un calendrier quoi pour avoir des barres protéinées? Ma Darwin, elle m'a offert un... Y a pas de nom. C'est un truc de nourriture sportive. Genre t'as un calendrier Thibaut InShape? Non, pas Thibaut InShape, mais c'est la nutrition. Aujourd'hui, j'ai eu un sachet avec de la whey dedans. Mais c'est légal, ça? De quoi qui est légal? Mais de... Normalement, le calendrier, c'est le chocolat, non? En mode, y a une restriction pour les calendriers. Bah... ouais. Oh, le chacal, tu peux faire pour l'exclamation chacal, s'il te plaît, dans le chat.
Ah, c'est bon, ils vont s'en occuper. Qu'est-ce que... Ah, ça s'affiche pas pour l'instant. Oui. Si? Vraiment, je suis à deux doigts de le mettre dans le titre, hein. J'appelle ça de l'acharnement. Moi, je fais des vidéos pour faire rire Lucas parce qu'il me les a demandées et c'est comme ça qu'il me remercie. Jure, il te l'a demandé? Mais oui, Aïe, c'était aïe, sa requête aïe. de la dernière fois. Aïe, 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 Lucas, donc ça exploite les modos. Très bien. Ah là 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 là, il y a bien un Vous a calendrier plus foutu de d'Arcel. ma gueule. Oui, non mais je me doute. Ok, donc t'as un Ah oui! calendrier. Oui? Oui? Quoi? Je sais pas, t'as fait ah Arrêtez oui! d'utiliser cette commande là. En mode t'allais demander un truc, non? Non, non. Un calendrier de l'avant avec du saucisson. Oh mais non mais On quoi? n'est pas aussi bien que tu l'imaginais, pardon. Je t'ai fait une figure incroyable. Et là, je suis déçu. Yo Léotino, ça va quoi? Comment ça t'es déçu? Calme-toi. Moi j'ai adoré ta vidéo. Ça fait plaisir. Ça fait Moi, j'aimerais plaisir. bien trouver des. Bah, faut... voilà, j'ai un sub-goal pour gérer, me faire une danse. Ah ouais, j'avoue. Une danse Je vais te Fortnite, on faire a. une danse Fortnite. Ça En pourrait être larmes. stylé. Tu sais qu'hier, pour le fun, on est allé voir le marché de Noël à Limoges avec Robin. Bah. Ça se voit que le Père Noël n'est pas de Limoges, hein. C'est Non, quoi les ça? gars, non, 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 non. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, écoute, hein. Moi, je suis habitué au marché de Noël de Lyon. Bon, bah voilà, hein. Il y a des villes comme ça où Noël, hein. Oh! Faut aller au marché de Strasbourg. Ouais, Vraiment, j'ai il est trop incroyable. envie d'y aller. Trop envie de le faire. Strasbourg, en vrai, c'est pas mal comme ville, mais il fait trop froid. T'es déjà allé? Ouais, en Ok. voyage scolaire. Ok. Et visiter le Parlement. Est-ce que t'as déjà un sapin chez toi là? Alors, moi, étant étudiant, non. Qui a un sapin de Noël déjà chez lui là? Mes parents, pas encore, parce que eux, ils prennent un sapin. Pas les sapins en plastique, là, les vrais sapins. Ok, ouais. Donc, du coup, ça se garde genre une semaine, 10 jours. On va pas le mettre trop tôt. T'as déjà gagné un open lobby, ça y est, toi calme-toi, bien sûr qu'on a déjà gagné. Pas avant le 14, paye ton voyage scolaire, non, on allait à la ferme du coin. J'avoue, t'es allé à Strasbourg, c'était en quelle classe? Il est pourri, Troisième. le marché de Noël de Limoges. Ah, on est d'accord. Après, C'était moi, en je me plains, je troisième, suis je allé à crois. Dublin, moi, donc ça va, hein. Ouh, Nakéis, t'es chaud, t'es chaud. Les décalages au freinage. Vous avez fait quoi comme voyage de scolaire, les potes? Le meilleur voyage que vous avez fait? Moi, c'est Dublin de loin. Oh, vous avez des voyages incroyables. Ah ouais, non. On m'a Moi, j'ai fait fait se quoi faire comme voyage? embarquer par les flics. Incroyable. J'avais fait Strasbourg, j'ai fait Lausanne. Aucun, Londres, New York. Mais what? Londres, New York et tout. Ah oh ouais. Dublin, c'est pas ouf à côté de ça, hein, quand même. Hein. J'allais Londres, faire Paris, mais je suis tombé Lisbonne, malade. Maroc. Jamais fait de voyage. Ah ouais? Ah, je trouve ça trop triste, les écoles qui font pas de voyage. Londres, Londres, je devais faire Florence, mais Covid. Oh. Oh, le seum. C'est que ça casse les couilles là, le Covid qui revient, tout qui commence à remettre des restrictions et tout là. Un jeu au match de l'OM la samedi, ça risque d'être le dernier rang, je pense. Et J'ai pourquoi, envie Chasse? de caler un Pourquoi? moment. Pourquoi? Je vais aller en Angleterre, malheureusement, il y a eu le virus qui est arrivé. Aïe 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 aïe. Vous cherchez à rester réel, les gars. Musée d'art moderne de merde. Ben non, les gars. Faut avoir l'esprit ouvert. Toi, t'étais plutôt Arrêtez-vous. classe. T'étais plutôt classe de neige ou classe. Comment ça s'appelait? Montagne, non? Attends. Classe de neige ou. Bon, Non, moi classe j'ai verte. Classe de neige ou classe verte. juste fait une classe de neige, ça s'était très mal passé, j'étais en primaire. Pourquoi c'était mal passé? J'ai vu le feu dans notre chambre. Quoi? En fait, on avait un Est-ce qu'on a survivant le par droit chambre d'avoir avec les gens. l'anecdote? S'il demandait si gentiment. On était 5 par chambre. Ouais.
Et il y avait un surveillant dans notre chambre avec nous, parce qu'il y avait un surveillant par chambre, en fait. Ok. Et genre, journée à la neige, tranquille. On avait fait ce qu'on avait à faire, quoi. Enfin, c'était, je crois que c'était journée loisir, genre, tu construisais des bonhommes de neige, tu faisais des courses de luge ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, ok. En soi, c'était bien. Le soir, on mange tartiflette et tout, incroyable. Ouais. Et on rentre, on va se coucher, et notre surveillant avait les pieds mouillés et avait décidé de poser sa chaussette sur le radiateur. Qu'il a oublié d'enlever et oublié d'éteindre le radiateur. La chaussette a pris feu, ce qui a cramé la serviette apparemment, et ce qui a commencé à cramer tout le reste de la salle de bain. J'allais dire, c'est pas possible, comment vous étiez en primaire quand vous avez foutu le feu, vous aviez pas de briquet ou quoi normalement. Mais c'est le surveillant avec sa chaussette, mais c'est le pire feu de l'histoire. C'est de loin le pire feu imaginé. Ok. T'es passé à deux doigts de conduire tout seul aujourd'hui. Pourquoi? Bah j'aurais pu mourir dans les flammes. Ah mais si t'avais pas été là, y'aurait pas de chaîne Twitch aujourd'hui, tu le sais très bien. Oh. Ah, le surveillant il est débile hein. Et dire que c'est lui qui vous gardait, bah putain. Moi j'ai fait deux classes de neige et une classe verte. Classe verte c'est sous-côté en vrai. Ah bah ça on avait fait classe bleue aussi. Faut aimer la montagne en fait, classe de neige. Moi vu que je suis pas trop montagne. C'est quoi classe verte en fait? Tu pars genre... Vous faites quoi? Bah alors nous c'était en primaire. Et en gros tu sais, tu vas dans les sortes de montagnes, les monts de je sais pas quoi et tout tu vois. Mais au mieux que ce soit dans de la neige. En gros tu vas visiter les forêts, tu vas visiter les cours d'eau et tout machin. Ces trucs comme ça non? Ma soeur elle avait eu classe bleue. Classe bleue c'est quoi? En fait, ils étaient censés partir à la mer sauf que ça avait été annulé pour je sais plus quelle raison. Et du coup ils étaient partis dans un centre... Je sais pas comment ça s'appelle, mais un centre où t'avais des piscines et puis ils avaient pris à nager pendant une semaine. C'est nul! Comment tu passes d'un voyage à la piscine municipale? Écoute, c'est pas moi qui ai créé le voyage. C'est catastrophique. Alors sache que tu veux rigoler? Première classe de neige qu'on fait, donc on montait, je sais plus où, dans les Alpes ou quoi, tu vois. Et ils nous avaient donné des sacs, ouais, machin, si vous vomissez et tout, vous vomissez dans le sac et tout, cassez pas les couilles, tu vois. Moi j'étais là en mode non, vas-y, focus et tout, on va pas être malade et tout. Pendant toute la montée et tout, parce que c'était long, hein, c'était genre 4-5 heures de bus, c'était long, hein. Les S et tout, machin, y'en a plein qui étaient malades et tout, moi j'étais pas malade. Je sors du bus dans la montagne, arrivé dans la montagne, je vomis. Envie de mourir. Hein. Mon pull, il puait le vomi pendant toute la classe de neige. J'étais dégoûté. Robinho, il est toujours dans le chat, là, le petit Robinho, là. Ouais, tu gagnes jamais en open lobby. T'as pas été malade pendant le voyage, mais le fait de sortir du bus t'a rendu malade. Ouais, en gros, c'est ça, tu vois. C'est beau. Bizarre. Bah, t'es malade en voyage en transport ou... Non. Non, en vrai, non. J'ai pas le mal de mer, j'ai pas le mal de voiture, j'ai pas le mal de rien. La chance, hein. T'es malade en transport? Tous les transports sur Terre... Genre si tu prends la voiture, tu te sens pas bien? Ça dépend qui conduit. Comment ça? Quand c'est moi qui conduis, ça va. Quand mon daron conduit, etc., ça va. Oh, attention. Mais il y a certaines personnes, genre... J'aime beaucoup ma daronne. Hein. Mais bon... Disons que... Elle a pas une conduite incroyable non plus, quoi. Ouais, mais du coup, il y a que ta daronne, hein, ça, c'est pas du coup le voiture le problème. Non, mais il y a d'autres personnes qui conduisent mal aussi. Qui d'autre? Je vois s'il y a une corrélation entre certaines personnes. Ta daronne, j'ai un pote qui a eu son permis. Un pote? J'ai eu la bonne idée de. Bah, j'ai pas été dans la voiture de beaucoup de monde. Un peu bizarre la phrase, mais. Aïe. Même ouais, chose, je bats pas l'avion. Ouais. L'avion c'est trop bien. Ah alors ça c'est vraie question. Quel est votre moyen, on va dire moyen de transport mais vous allez comprendre. Quel est votre moyen de transport préféré mais pas un moyen de transport habituel? Genre la voiture, le taxi, tu vois les trucs comme ça. Genre entre l'avion, le train, le bateau. Tu vois les trucs comme ça. L'avion c'est le train trop quand bien. Tu es en retard. SpaceX toujours plus vous. Avion, c'est trop bien. Hein. J'ai jamais pris de jet, malheureusement, mais... J'ai jamais fait d'hélico non plus. Ah ouais, Mika, tu devrais, mec.
Tu veux prendre l'avion pour faire des petits voyages, genre aller à Londres? Moi j'étais allé en avion par exemple. Et t'en as, je crois, pour même pas 2 heures. Un Lyon-Londres, je crois, c'est moins de 2 heures, c'est 1h30. Ah, c'est trop bien, hein. L'avion, j'aime vraiment pas. Ah ouais? Ma phobie. Ah, c'est ta phobie, ok. Ah ouais, bah ouais, ça change tout du coup. Moi, en vrai, j'avoue que j'apprécie moyennement les bateaux quand même. Enfin, je trouve pas ça ouf. Tu te balades dans le bateau. Tu sais, genre vraiment les gros bateaux, hein, pas le. Je sais Ouais, pas. genre les paquebots, les trucs de travers, enfin Ouais, les trucs de comment ça s'appelle? de Quand tu fais. croisière. Voilà, croisière, merci. Ouais, croisière et tout, je suis là en mode. Ouais, c'est cool, mais. C'était quand je suis parti en vacances, j'ai pris un bateau comme ça, et en vrai, ouais, non, pas ouf. Bah, en vrai, enfin, ouais, c'est pratique parce que tu te déplaces en mer, mais bon. C'est Il y lent a en de plus, hein. l'eau, Tu sais qu'à la je voiture, tu vas t'aime. plus vite. Me too, Tom. Me too. It was a nice battle, eh? Aïe, 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 aïe. C'est pour finir comme Concordia, non merci. Alors, on va éviter les blagues comme ça. Les petits ferries, c'est trop bien. Vas-y. Hydro is a fraud. A fraud. Fake. So much fun, yeah. Were you sandbagging? I'm sure you were. For sure you could have gone the win easier. Si bien l'environnement plus les croisières. Alors niveau environnement j'y connais que dalle perso mais j'ai très peur du bateau et de l'avion. No comment. Ah, I knew it. Aïe aïe aïe. Sinon Trotelec en vrai. Hein. Team Trotelec. Team Trottinette électrique, c'est rien de mieux je pense. Y'a rien de mieux. Hein. Tu parles allemand? Moi? Non. Ouais. Pourquoi? Yes, ich streiche Deutsch. Ah, ça veut dire oui, je Je parle parle allemand. allemand. Bah oui, t'es con ou quoi? Bah, j'ai jamais fait d'allemand, Bah moi non j'ai. plus, mais tu sais bien lire. Dutch, ça veut dire allemand. Yes, c'est oui en anglais. Ich, c'est je. Bah, ich, je savais pas. Mais ich L'équipe bin. est au cas, je. Quoi? Bah, ich. Ich, oh là là. Faut suivre, t'es lent à la détente, c'est incroyable. Je pensais que t'étais Chacun plus son truc, réactif. hein. Toi, t'es lent sur le circuit, donc. Eh oui, Tom est néerlandais, il est pas allemand. Ah, il supporte Max du coup. Do you support Max, Tom? Oh, for fuck's sake. Oh! Oh! Échappe, Sam! C'est bon, ça tape beaucoup là. Hein. Ok, Max Verstappen. Ok, Max. Alors, Ouais, mange il pas est cor il ça. corporate, Tom. Let's go! Merci Younes pour ton prime, merci beaucoup mec, bienvenue. J'ai bien fait d'esquiver. Hein. Alpine Super 1 Max. Aïe 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 aïe. Richard is not watching. Casse-toi avec ta féfé! T'as sage de. Oh non, y'a Rob! Oh yeah, Robin is watching. There is always someone. C'est fou ça, Romain, mec, tu vas bien? Non, mais ça suffit! Non, mais toujours plus, les dépasses. Est-ce que j'ai foiré une AlphaTauri à contresens? Non, mais ça Ah. suffit! Eh ben Oh! oui. Oh, vas-y, Son on est coéquipier en plus, hein. fatigué. Mais ouais, en plus. C'est bon. C'est parti. C'est bon, yo Spinocchio, what? Mais chacal, mais oh. C'est vraiment de la merde ce truc de remise auto. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Hein. Mais Comment t'as 13 secondes de péna, mec? Bon, parce que j'allais insulter très très fort. Oh là 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 là. Putain, vas-y, il m'a ruiné. Mais vas-y, la Ferrari, tout part de la Ferrari de base. Tout part toujours des Ferrari. Ouais, tout partout. Mais arrêtez! Mais arrêtez! Mais arrêtez! Mais je vous ai fait quoi? Ils sont Oh! horribles aujourd'hui. Hein. Mais vraiment, c'est la pire idée en fait de faire un open lobby à cette heure-là. À 2 doigts de dire qu'Azubalex te manque. Ouais, calmons-nous quand même. Je suis pas accro aux maladies non plus. Mais. Non mais il a voulu me mettre dehors Mais lui, encore, il a hein. voulu nous Mais sortir lui, hein. Lou Kira là. Tu peux enlever la remise auto, je sais pas, attends. Comment on l'enlève? C'est bon, bouge de là toi, laisse-le conduire un peu. Manuel, trajectoire.
Non, mais à mon avis, ça s'enlève dans les paramètres. Parce que c'est comme ça pour tout le monde, j'ai l'impression. Donc, Ah oui, remise en piste auto. Ah oui, mais faut que c'est j'enlève nouveau. ça. Faudrait que je l'enlève. Je trouve que c'est pas nouveau, hein. Ah, je pense pas que ça soit nouveau parce que j'avais vu un sim, il y a quelqu'un, ça lui était déjà arrivé. Ok. Mais. C'était Ok, enfin, c'était il y a 2 semaines, quoi. super, un plaisir en tout cas. Un plaisir. Ouais, ça y est, depuis la sortie du jeu. Ok, mais pourquoi on l'avait pas avant? Pourquoi on l'a. J'ai dû l'activer sans faire exprès en fait. Open. Attends, open lobby, faut pas mettre d'état en jeu. Ok, ça roule. Chacal, c'est un videur de boîte. Mais vous aimez trop juger Chacalinho sur sa voix, hein. Ça se trouve, je fais 1m50 pour 32 kilos. Exactement. Et j'ai des petites lunettes avec les dents qui sont en avant. Je n'ai rien Exactement. contre les personnes comme ça, mais. C'est ça. Ou alors je suis 1m95 Non, non, pour non. 105 kilos. Non plus. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, parce qu'on a des vidéos de toi. J'ai des C'est vidéos, je peux vrai. te faire tomber du Discord. Tomber Yo, du hello, ce qui Discord. arrive. C'est passé quand avec Arava et compagnie? On a froissé la concu. On a fait podium. T'as fait P3. Dommage, on avait le rythme pour gagner, c'est pas joué à grand chose. Aïe, 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 Oh, y'a Elliot. Sache que C'est pas vraiment, l'un, c'est l'autre. Hein. j'ai vraiment l'impression que t'as ton petit fan club chacal dans le chat. Ah ouais? Vraiment. Quand tu auras Chacal une fan. Team. Alors sans projet. Ah ouais? Oh, Ouais. donne ça à Jerem comme subgoal. Mais c'est un sub goal qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que dans ces sub On goals, ouvre il y un OnlyFans. aura. On ouvre un OnlyFans, Jerem. Bebou Gang. Bebou Gang. Je devrais faire un OnlyFans F1. Mais tu sais, quand je d'origine, OnlyFans, c'est pas que pour. Ah, je sais, maintenant c'est connu pour ça, mais. Imagine bien que de base le site il a pas été créé pour des photos de meufs dénudées, non? Enfin, un open lobby F1 et genre tu mets. Je sais pas, tu mets des trucs. Des vidéos ou des photos, genre des setups. Tu fais payer tes setups comme ça. Yo Yo Bark, ça va ou quoi? On refait un lobby juste après, ouais. On va faire un no rules parce que bon, regardez. Regardez, ils savent pas rouler. Imagine si on faisait un open lobby sur iRacing. Jamais joué à Racing de ma vie. Hein. Ce serait super fort, t'inquiète. J'imagine. Le fan des no-rules sur Factor. Non mais mec. Oui, tu peux. Ah bah, Resterel, on aspire. Culotté, hein, donc ma part. Okay, this is Jeff. Non! Sérieux, on est où là? On est où? Oh, aïe. Terrible. Après, voilà, c'est ça le souci. Là, il a coupé la piste et resté raide pour essayer de me la mettre dehors. Mais il Bah, déteste en même temps la évidemment. restaurant. Ça, j'avais capté. Mais tout le monde me déteste du coup, parce que tout le monde essaie de me mettre dehors tout le temps. Ouais. T'as bien compris, t'es bien Pourquoi? renseigné. Pourquoi autant Je d'acharnement? supporte Marseille. Et alors? Voilà, c'est une bonne raison. Il fait quel temps à Amiens? Enfin, à Amiens, non, à Reims, pardon. Alors, Reims, je sais pas, mais il faisait froid hier soir. Il faisait très très froid. Crois-moi que dans ma chambre aussi il faisait froid. Je cut le stream, il restait quelques minutes, je vois qu'on se prend un but. Pas ouf, hein. Franchement, vraiment pas ouf, hein. Tain, Lucas, t'aurais pu me dire hier que le match il jouait à Marseille, je serais allé le voir du coup. Vous étiez pas interdit de. Oh, c'est ce qui me fait beaucoup rire, hein. Parce qu'à l'origine on était quand même interdit de public. Les groupes de supporters officiellement ils y sont pas rendus. Enfin ils y sont pas rendus tout court. Il y avait quand même beaucoup de monde. Hein. Non mais. Voilà, P13. Est-ce qu'il y a des Vamos. Marseillais dans le chat? Est-ce qu'il y a des Marseillais dans le chat? Je sais pas, on va Oui. voir. C'était à Il y a des 8 gens jours. qui Mais vivent à c'était à Marseille, Marseille, pas non? du C'était à La tout. Beaujoire hier, non? Oui, c'était à La Beaujoire, mais Ouais, ok. plus s'il y avait des champs marseillais partout. Mais... Non, Voilà. oui. Alors ceux qui habitent à Marseille, est-ce que vous en avez pas marre du vent et du froid qui règne en ce moment? Parce que là. C'est vrai que moi, c'est ce que je déteste dans le sud, c'est le vent.
Bah, en soi, l'année dernière, c'est la première fois que j'ai autant de vent, ça me brise l'âme. Fuck le vent, vraiment. En fait, le vent, ça rend le truc encore plus froid, c'est un enfer. Je suis désolé, mais la Haute-Savoie, qu'il y ait du vent ou pas. Spotify. Quand il fait moins de 8 degrés le matin, quand tu pars. Ok, let's go. Ok, ok, ok. Barcelonais, alors. C'est pas grave, hein, vous pouvez pas être parfait, les gars. Vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous êtes déjà quasi parfait. Allez, l'OM. Aïe, 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 aïe. T'as fait ton rap de Spotify hier, toi? Chacun. Pardon, j'étais en train de me moucher. Oh, ton rap. La prochaine fois, je me mute pas, alors y'a pas de soucis. Non, si, 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 s'il te plaît. Voilà. Est-ce que t'as envie de me donner ton top ça? Ah, mais oui, si tu me l'as envoyé, mais je suis trop con. Oui, non, mais... je l'ai envoyé. Je suis trop bête, bah ben, oui. Est-ce que vous, tous ceux qui ont Spotify, vous avez qui en top 1 en artiste? Moi, c'est pas Damso, étonnamment. Je pensais que ça le serait pourtant. Tu sais que moi, il est deuxième, hein. Moi aussi. Incroyable, hein. Pas surpris d'avoir vu les premiers. Drake, Jules, DTF, ok, Jules. Skillet, c'est quoi Skillet? Je connais Skrillex, mais. Beatles, SCH, Damso, Timal, PNL, Laylo. Ah, Laylo, on est ensemble, hein. C'est des PNL, je suis dans le top 0,0. PNL, frère, mais attends, mais j'avoue, tu squattes l'album, mais putain, mais. Okay, les QLF par ici. Ok, The Weeknd, Jules, NF. Alors, NF aussi. Validé NF. Un peu de calme. Validé NF. Non, tu as compris, c'est validé espace NF. Oui, bah moi Orelsan. Je suis validé NF. Il y en a, je suis sûr, ils ont réussi à avoir Orelsan et son dernier album en top song, enfin l'un des sons, on va dire, en top song, alors qu'il est sorti il y a quoi? 2 semaines, je crois, l'album? 3 peut-être? Sûr, c'est sûr. Non. Tabasse. Si. On va refaire un lobby, les potes. Si, ça doit faire un peu de semaines. Je crois, hein, c'est un truc comme ça. Ouais, parce que c'est la dernière fois que je suis allé à la salle. Donc... T'as écouté combien d'artistes en tout, tu te souviens ou pas? Je crois que j'étais à 80 et quelques, un truc comme ça. 80, c'est tout? Ouais. Sache moi, j'ai mes classiques. Moi, je pensais aussi avoir mes classiques et je pensais ne pas avoir écouté beaucoup d'artistes, je pensais en avoir une centaine. Quand j'ai vu passer 1180. J'ai fait, alors... Aïe. Alors, va falloir me dire où ils sont passés les 1180, parce que clairement... Ah oui, il faut mettre ouvert à tous, en fait. Ouvert à tous, fixé. Et là, non, pas là, non, je vais trouver. Voilà, remise en taux, je mets aucune. C'est bon, j'ai pas mis les dépannages. Comme ça, on n'aura plus les trucs qui nous font respawn. Let's go, en vrai. Let's go! Let's go! La daronne d'Eliott à Foot Corner! Pardon. Totalement gratuit. Vas-y, vous pouvez rejoindre. Ouverte. Vous pouvez rejoindre les refs, c'est bon. 498, 987. On fait un Eurals ou pas? Oui. Ok, 14 artistes, Ferrisson. Comment tu fais pour avoir que 14 artistes? En fait, lui, il écoute tout ce qui est plus vieux que 1950 et il y en a pas beaucoup, donc... C'est l'enfant. Putain, je crois qu'il a mon âge, hein. Mais pourquoi t'es un vieux dans un corps de jeune? C'est ce que disait Orelsan. Merci, Homero. FC Verstappen ou Hamilton? C'est Verstappen, non? Moi? Bah, moi, Verstappen. Toi, je sais pas, mais... Moi, un peu plus Hamilton. Ok. Même si j'estime être... Attends. T'estimes être... Je dis réglo. Non, j'estime être neutre. Ok. Avoir un regard neutre sur la situation, quoi. Objectif, moi aussi, voilà. Je suis neutre, en vrai. Ouais, ça n'a rien à voir entre être neutre et objectif. Non, j'estime être objectif. Ok. Parce que je préfère... J'ai toujours une petite haine, en fait, de Red Bull qui reste. Mais pourquoi? Ça m'empêche pas d'être objectif. Je l'ai déjà dit, je supportais Alonso dans les... Ah oui, on supporte Alonso, c'est vrai, oui, oui. FC Max, il paraît gavé vieux, Ferrisson, mais non. Insupportable, je suis... Comment ça, Ferrisson? Allez hop, t'es ban. Non. Ok, ça c'est bon. Je suis pas comme ça, moi. Ok, ça c'est bon. Ok, c'est bon. Le no rules est prêt, monsieur. On peut rouler. J'ai quoi comme voiture, moi? Nicolas Latifi. Vamos! Pam 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 param, paranaram.
Excusez-moi d'écouter de la musique de qualité. Mais les goûts et les couleurs, Ferisson, tu peux écouter ce que tu veux. Les paramètres de course sont pas bons aussi, j'ai mis 3 tours. Lucas, je te déteste. Hein. Yo, Wizo. J'ai mis 3 tours, les gars, on est bon. Hein. 1071 artistes différents. Mais moi, j'aimerais sincèrement savoir d'où sortent les 1000 artistes. Je suis persuadé de ne pas avoir écouté 1000 artistes. Genre là, de tête, no joke, de tête, je peux pas te donner 50 artistes que j'ai écoutés. T'as pas des playlists en fait, où genre il y a plein de trucs différents? J'écoute, mais moi je sais en fait, mais j'écoute ça, les playlists générées automatiquement qui me proposent. Genre hip-hop, machin France, machin, votre mix, machin, votre mix US et tout, tu vois. J'écoute ça. Et sauf que bah ça doit me mettre des artistes que j'entends une fois, mais je retiens pas la chanson. C'est un No-Rules, ouais. C'est un No-Rules. Merci Nico pour ton resub. Moi j'ai 223, mais no joke, hein. Moi, genre là, je peux pas te donner 50 artistes, hein. Oh, je suis P20, sérieux. Je suis P17. Quand on écoute Enzo en club pro. Ah ouais, y'a moyen, bah oui. Ah bah oui, déjà, y'a ça. Quand t'écoutes bande organisée, t'as déjà 500 artistes. Non, je pense que ça compte pas. Non, il a pas tort, si. Ça compte, tu penses, chaque artiste? Bah, bande organisée... Là, quoi, y'en a 12, non? T'as écouté Classico Organisé? Ouais, Classico Organisé, hein. Quel banger. Bah, il y a... Sur tout l'album, je crois qu'il y a 180 artistes, un truc comme ça. Ah ouais? Ah ouais, ok, donc... Si t'écoutes toutes les musiques au moins une fois, c'est terminé. Ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Mais t'es con, quoi? Je regardais pas l'écran. J'étais juste derrière, toi. Oh là là, mais... Il réfléchit. Ah. Putain. Sérieux, Chaps, encore une fois, dès qu'il y a des grabuges, Chaps c'est dedans. Putain, oh, vraiment. Il m'attend, je le savais. Petit fils de chien. 1285, je comprends pas comment c'est possible. Mais je sais pas, je pense que Spotify ils abusent aussi, hein. En vrai, ils abusent. Je pense que Spotify devrait doser un peu. Ouais, je pense que Spotify devrait doser même beaucoup, hein. Alors sache que j'ai découvert qu'il y avait My Deezer qui faisait pareil. Vous êtes team quoi le chat? Spotify, Deezer, Apple Music, Fun Radio? Moi je suis team Spotify, seulement parce que je prête mon compte avec deux potes. Hein. Moi je suis Spotify parce que la réduction est étudiante, hein, mais elle reste encore un an, donc dans un an ça part chez Deezer. Ah non, moi ça part chez Apple Music après. Hein. Deezer, Spotify, ah oui, pourquoi Apple pas. Music. Ah moi Apple Music c'est trop bien. Hein. Ça a l'air trop bien. Bah, c'est Elliot premier là. YouTube musique, pas mal. Pas mal en vrai. Moi aussi j'écoute beaucoup de musique sur YouTube. Ouais, y'a masse de Spotify. Hein. Ce qui me rassure, c'est que j'ai pas vu une appli que je connais pas, genre. Y'a pas bah, un mec qui a pop avec Jean-Marc Musique, tu vois, et. T'as les puristes, ils sont sur SoundCloud ou un truc comme ouais, ça. Ouais, voilà, tu vois. Enfin, c'est connu SoundCloud du coup, mais. Aïe, musique téléchargée illégalement. Honte à toi, frérot. Honte à toi. Énergie. On est team Fun Radio ici, les potes. Deezer, c'est français, on est patriotes. Je suis absolument pas patriote, hein, je suis désolé de vous le dire. En fait, je le suis, mais bon, au bout d'un moment, Deezer, il n'y a pas les musiques que j'aime bien, donc bah ça va se faire foutre. Hein. Honnêtement, Fun Radio, c'est pas ouf comme radio. Bah, quand j'étais jeune, j'écoutais que de ça, donc j'ai des bons souvenirs. Non, moi, j'écoutais Énergie. Telegram pour les musiques, quoi? Bah, ça y est. Lui, on peut lui sortir le même de Fun. Non, attends, quoi? Moi, je suis différent, moi, je suis pas comme les autres. Telegram pour la musique, je savais même pas. Oh, Chacal Fren. Pourquoi? Oh, putain. Attends, tu m'as fait perdre une place pour des conneries pareilles. Bah, je pensais que t'allais le tuer. Mais il était trop loin, c'est pour ça que j'avais pas prévu. Mais il était juste derrière toi. Bah, c'est pour ça qu'il a eu le temps de m'éviter. Alors, toi, lui, je le sentais venir. J'ai créé une petite guerre là, let's go. Let's go. Ah ouais, mais Ferrisson, il écoute RTL. Alors, Ferrisson, vraiment, il a toutes les habitudes d'un ambiance. C'est fou, frère. Rémi Duhamel sera soit toi, soit moi, je te dis. Ferrisson, t'écoutes Rire et Chanson à midi ou pas? Oh, bien ouais. Il a speed, mais tu l'as pas tué. RTL, frère.
La voiture, mec, je me doute pour écouter les infos que c'est bien. Mais tu vois, moi si je suis dans la voiture, j'écoute la musique, pas les infos. C'est Wenger, il passe en nostalgie. Ça, c'est la musique des darons, RTL. C'est pas la musique, c'est les. Nostalgie. Ça, sur les chantiers, on en écoutait tout le temps, c'était horrible. Il vient d'où? Tu viens d'où, toi? J'écoute les infos 5 minutes, puis après RTL 2. Mais c'est quoi la différence entre RTL 1 et 2? Ça, la vraie question. Mais lui, il voulait le faire aussi, mais. Moi, je trouve que vous en prenez beaucoup à Furisson. On rigole, on adore Furisson. C'est un VIP de toute façon. C'est un VIP, donc il est de façon hiérarchiquement au-dessus de vous. Voilà, exactement. Techniquement. Il y a de la musique sur RTL 2. Ah, ok, ok. Et sur RTL 1, du coup, c'est. C'est les infos. C'est les news. Infos, débats. Mais pourquoi, du coup, Fun Radio, ils font pas Fun News? Oui, ils font de la news, mais Fun. Attends, je vais envoyer un concept à Anna, ça. Je vais lui dire. Oui, Rémi. Ah, mais oui, Rémi Duhamel, du coup, putain, je l'ai oublié. Bah, c'était moi, du coup, pas toi. Ah non, on se posait une question avec le chat. Pourquoi RTL 1, ils font de les infos, RTL 2, ils font de la musique. Pourquoi Fun Radio, ils font pas Fun Radio 2, où ils font des news? Comme ça, ils appellent ça Fun News. Et ils ont une chaîne aussi d'infos et plus de stats, plus d'argent, tout ça, tout ça. Propose-leur, tu vas gagner de l'argent grâce à nous. Voilà. Peut-être qu'Anna deviendra millionnaire grâce à ce projet, les gars. On peut lui en parler demain. Pourquoi demain? Elle fait un open hobby demain et voulait venir rouler. Ah, elle fait à quelle heure? Je crois qu'elle voulait faire vers 20h, 21h aussi. Oh, bah let's go, je lui demanderai. Je lui proposerai. Il me semble. Alors voilà, je fais le pont entre les deux. Aïe 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 aïe. Nous en Alsace, il y a top musique. Top musique. Non, mais attends, c'est quoi ça? Oh, à Chambéry, il y a Red FM. Hein? Red, ouais. FM? Ouais. C'est quoi, c'est la radio rouge, c'est ça, Red, la couleur ou? Ouais, ouais. Ok, bizarre. Pour le moins, un peu bizarre. Ah, Anna m'a répondu. Ah, ok. Ça roule. Yes, un plaisir. Ah là 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 là. Yo Aldo, ça va ou quoi? Moi j'écoute RTL 2 dans la voiture des darons. Ah mais ça y est, vous allez tous me sortir une radio, calmez-vous là. Calmez-vous. Elle a dit quoi? Elle est pas, on va... Ouais. Elle a dit, toi tu réfléchis... Non! Tu réfléchis beaucoup pour pas grand chose. Alors je vais me permettre de préciser que... C'est une idée c'est pas du chat. Super sympa, sachant que c'est quand même une idée avec le chat qu'on a établi, donc c'est pas super cool. Nous on est là pour t'aider, donc bon. N'hésitez pas demain 20h à aller casser la voiture de Anastasia en open lobby. Voilà, je vous envoie, vous êtes en mission. Ah, yo pied de biche, ouais ça va tranquille, écoute. Hein. Radio Scoop pour les Lyonnais. Jure, c'est que Lyonnais Radio Scoop. Oui. Radio, non c'est pas. Radio, je sais plus comment c'est, Radio Scoop. Ah là 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 là. Petit rappel. Non, Lucien. Chacal, il est nul en F1. Il neige. Non, il neige pas chez moi, malheureusement. Tu penses, Furisson, il regarde quoi le soir? Et pourquoi t'as là ça? Il regarde mon stream. Du coup, je sais pas comment je dois le prendre. Non, mais quand il y a les soirs où il n'y a pas de stream, ou les soirs... Non, mais Anna, je me prends vraiment pour un débile. Juste RTRL, déjà, c'est une radio généraliste info. Et RTL 2 et Fun, c'est des radios musicales. Ah oui, mais Anna, ça va. Anna, elle est trop sérieuse. Anna, elle est trop stressée dans la vie. Regardez bien, on gagne cette course. Hein. Non, non. Fils de pute. Non, pas comme dans l'open. Let's go. Let's go. Allez. Non mais vraiment un chien, vraiment des chiens. Non mais non, mais je suis débile. Mais je suis un débile. Sérieux, tout ça parce que l'autre il a raté son freinage tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as fait toi, Chacalinho 200 IQ?
Oh, je suis abattu. Elle était easy win. Elle était easy win. Putain. Metal Forever. Qu'est-ce que t'as fait ici, hein? Ils ont dit chacal 200 IQ. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis parti en contresens. Et en fait, je suis arrivé face au premier qui m'a pas pour projet de m'éviter. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai détruit le premier. Sauf que derrière, il y a tout le monde qui est arrivé. Et j'ai dû en sortir 5 ou 6. Et ma voiture s'est envolée, mais tellement haut, j'ai cru qu'elle allait passer au-dessus des barrières. Carrément. Carrément. Non, vraiment, c'est envolé. C'est assez drôle. Donc je pensais que t'allais voir. Tu adores, tu fais de l'humour, chacal. Moi, je suis. Moi, honnêtement. Honnêtement, hein, sans être prétentieux ni rien, je pense, parmi les modos, je suis le plus drôle. Voilà, donc je pense, oui, effectivement, être dans l'humour. Parle. J'ai vu ta tête, attends qu'on vienne me faire dans le chat, là, mais... Non, parce qu'il est débile, alors ça, c'est facile à dire, hein. Facile comme ça, bah voilà. Mais même Lucas va avoir la facilité. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai? Est-ce que Chacal est le plus drôle des modos? Bah quand même, Jerem, hein. Jerem, il est sacrément drôle sur Twitter. Qui ça? Jerem. Je sais pas. Tu sais, mais bois la crème. Ah, tu parles de celui qui vient... Non, mais alors, Anastasia, alors, c'est gratuit, ça, madame. Attendez, parce que je viens de me prendre, quand même, je te demande pas pourquoi tu fous rien de tes journées, toi, je suis en mode, alors... Bon... J'apprécie à moitié le SMS. Jérôme, il est drôle sur Twitter, mais chacun, il est drôle sur le chat. Ah, mais tout s'explique, c'est pour ça. Ok. Anastasia is under pressure at the moment. C'est vrai, qui est le modo le plus drôle, si c'est pas Chacal? Enfin, quel est le deuxième modo le plus drôle? En vrai, tu sais ce qu'on devrait organiser? Le modo d'or. Le modo d'or. On fait à la fin de l'année. Eh, à la fin de l'année, les gars, sur le What is Stream, on fait une cérémonie sur les modos. Genre entre les musiques. Et genre entre les musiques, on fait le modo le plus drôle, le modo le plus chiant, le modo le plus strict, le modo le moins efficace, le modo genre le moins présent. Ouais, tu vois? Le modo avec le plus de ban, bon, ce sera Lulu, mais... ouais, voilà, faut savoir qui c'est que tu comptes. Parce que savoir si on compte Lulu, savoir si on compte les modo-modo ou les modo genre Enzo. Non, en vrai, attends. Bah, je sais pas, Lulu, faut voir, en vrai. Viens, on réfléchit là-dessus ce soir. Moi, je pense qu'il y a un concept. Et est-ce que c'est les modos qui votent entre eux? Tu fais voter aussi les... Non, les c'est le chat, c'est, toi qui c'est le chat qui vote. Moi, pendant que je roule, avec le What is Stream, genre entre les courses, par exemple, entre deux musiques, on fait une pause et on élit un modo. Un modo, le modo le plus drôle. Ça peut être pas mal. Le moins présent, c'est Danny Dan. Tu serais surpris. Tu serais surpris, je pense. Lucas, il est drôle à 16 heures perdues. Lucas, c'est un sniper sur la tour de contrôle. C'est fou, hein. Chacalino va tout gagner. Alors. Je pense que Chacalino, il peut gagner le modo le plus drôle parce que c'est le seul modo qui vient en vocal pour jouer, en vrai. J'ai jamais eu Jerem qui est venu en vocal, tu te rends compte? Jerem, c'est un petit timide. Moi, je l'ai déjà entendu, Jerem. Non, mais moi aussi, je l'entends avec Offstrack et tout, mais il vient jamais jouer en vocal avec nous. Ça se trouve, c'est un giga nerveux, en vrai. C'est pour ça qu'il veut pas venir. Jerem, dans la vraie vie, c'est un mec qui cherche la castagne. Hein. Pas se battre avec Jerem. Hein. Jerem, il a déjà tué des gens. Hein. Jerem, c'est vraiment un gangster. Hein. Jerem, les gars, c'est un gangster, attention. Hein. Il y a combien de modos? C'est une bonne question, ça. Y a... Bah alors, on va voir déjà. Lucas, tu vas me dire. Attends. Lucas, tu vas me dire si je les ai tous. De tête, pour moi, en modo, on a Chacal, Lucas, Jerem, Nivek, Jordan, Danny, on a Enzo, on a Alex. Attends, il t'a dit attends. Anna. Après, j'en ai 9. J'en ai 9. On a enlevé Elsie et Nathan. Donc ils le sont plus. Ils sont VIP. J'ai dit Danny. Je crois que j'ai dit Danny. Ceux qui ont l'épée ou les vrais modos? Ceux qui ont l'épée, ceux qui peuvent modérer le chat. Robin, mon coloc, bien vu.
Robin, j'en ai 10. J'ai pas dit Lucas. Peut-être. Tu sais, je l'ai dit au début, le lieu. Il m'en manque 2. Il m'en manque 1. Ah. Enzo, il est... Enzo, tu l'as dit ou pas? Ouais. Donc j'ai dit Robin, Enzo, Dani, Alex. Nessie, tu l'as enlevé. Ensuite, on a Nivek, Jordan, Jerem, Lucas, Chacal. J'en ai oublié un encore. Anna, ouais, voilà. Il m'en manque encore 2. Depiello, je crois qu'il est pas modo, Depiello. Depiello, non. Non. Attends, refais-moi le compte depuis le début, s'il te plaît. Ok, vas-y. Les chats, ils ont pas l'air trouvé non plus. Attendez, il faut qu'on trouve. Donc, on a Lucas Beder 24, Chacalinho. Mm-hmm. On a Jerem Labaz, Nivek, Jordan. Ouais. Donc ça, c'est l'équipe de modo actif. Ouais. Ensuite, on a ce que j'appelle, moi, des modos passifs. Ah, oui. C'est que on a Alex. On a oui. Alex, Anna. Oui. On a Dani, Enzo. Oui. Oui. On a Dani, Enzo. Chris, Fouti. Ouais. Et il te manquait Robin. Et Robin, ouais. Ok. Let's go. Et donc, ça, c'est les vrais modos. Et donc, ils sont 12. Bon, après, il y a Nightbot, Streamlabs et Streamlabs. Oui, oui, oui. C'est vrai que oui. Mais on n'a pas compté. Eh, je connais mon équipe, les gars. Méga sûr. Joris. Après, il se pourrait que je tape slash mode Azubalex aussi, mais. Pardon ? Les larmes. Les larmes, le jour où ça arrive. Hein. Alors là, le jour où ça arrive, crois-moi que j'arrête de stream. Hein. Je vais sur YouTube Gaming. Hein. Vraiment. Hein. Fouti, Lou et Chris. Mais c'est qu'eux, ils sont en soum-soum. Ils observent. Yo Loxy, ça va ou quoi ? Fouti, il m'avait défendu. Fouti, j'en souviens. Sont fais attention à ce que tu fais. Hein. C'est pas parce que t'as 48 ans que j'ai avoir peur de toi. Non. T'as spin tout seul, t'es vraiment une merde. Hein. T'es vraiment une grosse merde, une bouse. Accélération. Évitez-moi. Mais... Non, Furiston, t'es vraiment une merde! Sale clébarde, va! Je te déteste, espèce de bouffon! T'es qu'une merde! Ceux qui ont la ref. Oui. Putain, mais quel chien il me. Ah, oh, il a fait exprès de me sortir. Ah ouais, mais j'ai plus de base, j'ai plus rien, frère. J'attends. Ah non, mais t'inquiète, Joris. C'est pas ce que tu penses. Y'a pas des tweets à faire, Joris? Ah, je ferai soin à abandonner. Mérité. Avance aussi. Avance de quoi? Je venais de cut. Comment tu veux que je cut? Assassin ferai soin. Vous pouvez spammer Assassin ferai soin dans le chat. Ouais, c'est Elliot qui va win, ça me dégoûte. Elliot, c'est mon coéquipier, donc je vais laisser en vie. Ça me dégoûte, hein, vraiment. Aïe, 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 yo. Et l'autre, ce qui arrive. Oh, oh. Ok, Dajou. Oh, oh. Oh, non, j'ai crevé. Mais non. Mais non, mais... Abattu. Elliot, du coup. Quoi? Je demande Elliot du coup. Quoi Elliot? Quoi? T'as tué Elliot? Un 6 de squall pour le season. Non. Bah Drasher. Faut pas parler comme ça, dis donc monsieur. Check your MFD for a new strategy. Non, non. Hamilton l'a fait, je peux bien le faire. Hein. Conduire sur 3 roues, c'est faisable. Hein. Non. Ouh, c'est pas passé long. Allez, un tour de plus. Allez, c'est bon, j'abandonne. Merci, hein, Ferrisson. Tu pouvais finir P6, les points. Les points de quoi? Les points de quoi, frère? C'est bon. Oh, tiens, Krakus le cous, faut jouer les championnats un peu. Oh, tiens, Krakus le cous de quoi? Sérieux. Ferrisson, t'as ruiné ma course aussi, ça, je peux. Hein. Voilà, exactement.
Oh là là, Elliot qui a failli se tuer. Oh là 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 là. Florissant, je pense que tu mettrais presque 600 secondes, hein, honnêtement. Ouais, Lulu, à peu près, je pense. Ça me paraît pas mal, ouais, Lulu, ouais. What? Ouais, ça fait 3 tours qu'il fait à contresens. Et bah voilà. Et voilà, il s'est sué. Pas de Forza du coup, non, ce soir pas de Forza les potes. Pas de stream ce soir. Il a fait quoi, Elliot, pour. Putain, on en fera demain en vrai, on verra, je sais pas. Mais pas de stream ce soir, Lulu. Faut profiter de l'instant maintenant, les gars, maintenant. Maintenant. Maintenant, chacal. Avec un petit jaune. Oh là, ça y est, écoutez le colique. Tu bois de l'alcool, chacal? Très peu, ça fait longtemps que j'ai pas bu. Est-ce qu'on se fait une soirée entre modo et streamer là? Ah mais je suis bouillant. Venez le chat, dès que le Covid il se recalme, parce que là ça revient. Mais dès que ça se recalme, on fait un truc. J'organise un truc genre avec un simu et on fait une soirée. Et on fait des jeux d'alcool avec le simu. Une soirée modo VIP. Oh j'avoue. En vrai y'a de l'idée hein. À Paris. Ah mais non, non, ouais, mais non, je sais pas où mais... Ils sont à 21h, il va se coucher, il a les enfants emmenés le lendemain à l'école. Quel enfant. Imaginez, on fait un truc genre, on fait... Oh, je sais ce qu'on fait. On fait du contre-la-montre à Jeddah. À chaque fois que le tour est annulé, un shot. Mais moi, j'ai pas fini la soirée. Hein. Ah, moi, je pense que je fais pas le tour. Hein. Impossible. Hein. Si, si, les VIP invités, tout le monde. Ça part en couille, il ramène 300 fans chez lui. Bah, Lulu. Tu fais ça à Limoges, mais Limoges. Non. Pas à Limoges. D'où les populations de Limoges. Pas à Limoges. Je sais pas où on fait ça. On fait ça au Brésil. Quoi le meilleur pays que t'es visité? Merci Caprive pour le resub. Est-ce que t'as beaucoup voyagé, Chacal? Bah, mis à part la Belgique. La Suisse, l'Espagne et la France. Ah non, j'ai fait l'Italie aussi. T'avais pas envie de faire un pays qui ne touche pas la France? Ah, j'aurais bien aimé, si, mais... J'ai reçu pour mon anniversaire un voyage en Grèce. Oh, c'est stylé la Grèce, gros. De fou, hein. Qui a été annulé à cause du Covid et que j'ai pas pu reporter. Ah, merde. Ah, merde. C'est-à-dire que mes parents ont payé 300 euros dans le vide. Et tu peux... Attends, tu t'es pas fait rembourser ou quoi? Non, parce que j'avais un an pour faire le voyage et puis ils ont refusé de rembourser à cause du Covid. Oh merde! Mon PC a blue screen. Oh non, le pauvre. Oh le pauvre. Corse, Copenhague, meilleure ville. Copenhague, c'est quel pays? Danemark, non? Oui. Grèce, magnifique. Grèce, c'est incroyable. Faut que je trouve un pays. J'avais fait une blague sur Furisson, mais j'ai peur que ça soit de la chambre. Furisson, il en peut plus, laisse-le tranquille. J'allais dire, Danemark. Qu'est-ce qui est le plus vieux entre son PC et lui? Gratuit, sachant qu'il y a des PC qui sont pas très vieux. Aïe 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 aïe. Non, c'est sur PC lui le boss. Prague, ah, Prague, pas mal aussi. En fait, je voulais trouver un truc pour partir en vacances là à Noël là. Mais je sais pas où aller. Partir en vacances à Noël, ça je comprends pas. Enfin, je sais pas, moi les vacances de Noël, c'est les vacances, je sais pas, tu fais avec la famille, t'es chez toi à la maison. Oui, mais je suis avec la famille le 23, 24, 25, 26, tu vois. Mais après. Oh là là, Zoulou, le boss. Merci mon ref. Quel crack. Ouh. Cimer. Mais tu. Enfin, tu vois. Moi aussi, d'habitude, je reste pendant 2 semaines avec la famille, pas de soucis. Mais là, j'avais envie de bouger. J'avais envie d'aller dans un pays. Genre là, je te donne un budget illimité. Tu vois, dans quel pays? Pour genre une semaine. Ouah, c'est dur. Ça dépend avec qui, tu vois. Et ça dépend. Là, maintenant, aujourd'hui, là? Ouais. Un pays où il fait chaud. Alors là, je pars tout de suite dans un pays où il fait chaud. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ouais, mais lequel? Quoique, en vrai. Ouais, je sais pas. C'est dur, en vrai. Je sais pas. Hein. Pologne, giga mon plan. Cracovie, super ville, pas si cher. Enfin, une bonne semaine à 500-600 balles. Ok. Ouais, Bahamas, j'y suis déjà allé, en vrai. Ah ouais? Ouais. C'est bien. Zélande. Sincèrement, c'est bien. C'est pas non plus paradisiaque, tu vois. Enfin, en vrai, si, c'est cool. En fait, j'y suis allé. Genre, c'était pendant une croisière, tu vois. Et du coup, on s'était arrêté pendant 3 jours à Bahamas.
Et il y a un des 3 jours, on a eu une tempête tropicale. T'as déjà vécu une tempête tropicale, mon ref? Une tempête Non, tropicale, une non. tempête. Une tempête Une tempête tropicale. tropicale non plus. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est-à-dire que quand le vent il te pousse et que tu tombes par terre, c'est pas ouf. Donc j'ai pas C'est que des fi bons c'est fou. souvenirs. C'est fou quand même. C'est fou à Flelon. Parce que partout, quoi que tu fasses, à chaque fois il y a quelque chose qui se passe mal ou. Je sais pas, Ouais. genre. Genre, t'as vu, On je fais m'aurait des dit dans open le lobby et chat. tu viens par exemple. Il est parti. Il est parti. Non, chacal. Chacal, ça va, on rigole. Hey. Hey, Bébou, reviens. Je l'ai vexé. Là, ce qui est très drôle, c'est que du coup, maintenant, il est en attente. Ah, t'as les droits pour monter tout seul? Non, j'étais juste en attente, je sais pas comment ça se fait. Peut-être Lucas Ah, qui. c'est Lulu, il t'a téléporté, je pense. Bora Bora, Martinique, Ibiza. Je sais Lucas, il a pas pris en par le vrai. col. Je sais pas, no joke, budget illimité. Mais après, pourquoi direct partir là où il fait chaud? Pourquoi pas aller dans un pays genre Norvège, tu sais, un truc hivernal un peu, genre. Avoir encore plus froid. Ouais, bah ouais, mais. Pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi y a un mec? Mais pourquoi y a un mec? C'est pas moi, moi j'étais à gauche. Il y avait un mec au milieu, Et j'imagine. après, on et après Lucas ose dire ah, mais c'est foutre la faute de chacal. Il est nul la F1 2021 quoi. J'ai entendu, mon Genre là, ref. c'est. Mec, il s'est passé ce qui s'est passé, gros. J'avoue que. Non, mais non, démute-le, le pauvre! On te entend, on t'entend, c'est bon. On Aïe aïe t'entend, aïe. chacal. J'avoue que, en vrai, tu me donnes budget limité là aujourd'hui. Là, maintenant, là, tu me fais un virement, je l'ai demain l'argent. Frère, tu réfléchis trop. Non, ouais, moi, c'est un problème, je réfléchis trop. Si j'ai l'argent demain, je vais à Abu Dhabi pour le GP de F1. Bah oui, mais tu prends sans considération. Ah, j'y vais, mec, en. J'y vais en soucoupe volante, je prends un hôtel 12 étoiles, je fête le titre avec celui qui gagne le titre chez lui. T'inquiète pas, hein, avec ton million. Hein. Vraiment. Hein. Yo, Zrex. Je suis allé 2 fois aux États-Unis, aux Bahamas, première fois au Japon, au Kenya. Lourd. Incroyable, paddock pass. Oh, paddock pass. Touloum, touloum. Dubaï, c'est à faire une fois. En vrai, je pense que Dubaï. On est fatigué, c'est bon. Pourquoi ça a pas bugué bizarrement tout à l'heure quand on a fait la course contre les développeurs? C'est bizarre ça. Bizarre. On joue avec les développeurs, ça bug pas. On joue entre nous, ça bug. Oh, comme c'est bizarre. Merci Sushi, let's go. Merci frérot. Ah, chez les serveurs Ça va aller de. à Lumber Lounge. Alors écoute, hein. Lumber Lounge, il y a des histoires qui ne se racontent pas sur les réseaux sociaux. Mais sachez que. Il y a de ces trucs qui se passent là-bas. Mamma mia. Certains pilotes. Mamma mia. Dubaï, ouais, en vrai, Dubaï, j'aimerais bien le faire une fois, tu vois. En vrai. Juste pour, tu vois, tester et genre te faire kiffer, genre quelques jours. Mais bon. C'est vrai que le jeu ne supporte pas les no-rolls, en fait. Chaque fois qu'on fait du no-roll, ça plante, en fait. Dubaï ou Shanghai? C'est pas la même chose. Oui, non, mais pour l'ambiance, c'est pas la même chose. Singapour, pardon, Shanghai, mais j'ai pris. Oh, Bah il y a oui, c'est pour Krakow The ça. Cruise aussi. C'est pour ça que je comprenais pas trop leur rapport. Merci Valmont pour le Singapour, ça sixième peut être mois. fou aussi. Singapour, ouais, mais faut se taper une déter pour aller à Singapour, en vrai. En vrai, imagine, t'es allé à Singapour 2017. Tu l'aurais vu en vrai, tu l'aurais pris comment? J'aurais été abattu, frère. Je pense que Genre j'aurais pleuré. t'étais dans la tribune qui était en face de la ligne droite et tu vois Frère, ça j'aurais vraiment vu arriver. Vettel spin devant mes yeux, j'aurais pleuré, je pense. En fait, je sais pas, ce se trouve je l'aurais bien pris, genre j'aurais été en mode bah let's go, je l'ai vu de mes propres yeux d'un côté, tu vois. Sache que ça t'aurait banni jusque encore aujourd'hui là-dessus. Hein. T'as marqué combien de points en Europa League cette saison? 2, 3, On 4, s'arrête à 4, 4 hein. pour l'instant. Ouais, on s'arrête à 4. T'as combien de. Deux? De titres européens. Bah, ça dépend, c'est qu'on a acheté ou c'est qu'on a gagné. On Dans en tous a les cas, zéro dans tous les ça fait cas. le même résultat, voilà. Ouais,
Bah, c'est pareil pour vous, hein, vous en avez gagné 0. Hein. Vous êtes combien au classement actuellement? Dans une période difficile, on restructure le club. On reviendra en deuxième partie de saison. Reims, ils restructurent aussi, je pense. Alors Reims, ils nous ont structuré hier soir, t'inquiète. T'inquiète, les Anthony Lopez, il restructure la cage. Il a fait quoi, frère? Je sais pas, il a pris une balle, il a eu peur du ballon, j'ai envie de tout casser. Je rouvre la session, les potes, vous pouvez rejoindre. Let's go. Moi, je dis c'est Elliot le premier à rejoindre. Ah non, Dante. Dante. Qu'est-ce que j'avais mis comme course avant que ça bug? J'ai limité à 20, dans tous les cas, on aura une voiture. Ah, ok. Maintenant, je fais plus l'erreur, t'inquiète. Je laisse faire le hasard. Je prendrai là où il restera de la place. Vas-y, on va mettre ça comme ça et on verra. On verra. En vrai, tu veux pas faire les open lobby sur F1 2020, mais gros, on va pas retourner sur le jeu d'avant. Je laisse la météo. Actuellement. C'est comme si tu rejouais. Ouais, on laisse comme ça. C'est comme si tu retournais jouer à FIFA 20 en club pro. Parce que le 22 bug, enfin, genre, tu vois, ça a pas sens. Ah là là. Nico Rosberg en 2016, il avait 18 grammes à Abu Dhabi. Écoute. Moi, j'y suis jamais allé, donc je sais pas, mais. Il paraît que. Fait des open. Sinon, on fait les no rules. Ah, faudrait qu'on teste les no rules sans les dégâts en vrai. Hein. Oh, ça perd toute sa saveur. C'est vrai que ça perd sa saveur en vrai, mais. Lopez, c'est bizarre. Chez moi, je l'ai vu au resto hier à midi. Bah, il a trop mangé, le frérot. En vrai, ça me fait chier parce que j'adore Anthony Lopez. Mais des fois, il fait des. Typiquement, genre la petite boulette comme ça, c'est rare, mais quand ça tombe, t'es en mode putain, mais frérot, qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, les gens qu'on aime dans nos clubs, c'est ceux qui sont détestés par les autres. Ah ouais? Tu détestes Anthony Lopez? Honnêtement, il fait partie des joueurs que je déteste le plus, oui. Ah ouais? Pourquoi? Non, mais. Oh, le comportement. Le comportement de quoi? Oh, c'est une petite. Attention à ce que tu vas dire. Oui, non, je n'ai rien dit, mais. Mesure bien tes propos. Enfin, quand t'es supporter lyonnais, tu vois, ça doit te faire kiffer de voir qu'il a rayé le nom Saint-Etienne du maillot. Tu sais, le maillot de la Coupe de France. Le numéro, il s'était fait avec tous les noms des clubs qui ont gagné la Coupe de France. Ouais. Dessus, il y avait Saint-Etienne, avec un stylo, il avait rayé le mot Saint-Etienne. T'es supporter de ton club, toi, ça te fait plaisir de voir ça. Bah. Mais vu de l'extérieur par un autre supporter, enfin. Bah franchement demain Payet il fait ça avec Nice par exemple pour vous, ça me ferait. Oui bah je dis pas le contraire, moi ça me ferait kiffer mais je sais que les autres. Bah les Stéphanois ça les fait pas kiffer, c'est logique. Oui c'est sûr, mais non, je sais que moi un de mes joueurs préférés c'est Payet et je sais qu'il est détesté dans la plupart des clubs de Ligue 1. Ouais. Parler d'Anto Lopez. Ouais, ça s'entend. Est-ce que ça veut dire du coup que les piles. Bah non mais non. J'allais dire, les pilotes de F1 les plus aimés sont aussi ceux les plus détestés. Mais en vrai, c'est. Regarde. Attends. En vrai, oui, un peu quand même. Ouais, bah, parce que Norris, Hamilton, c'est l'un des plus aimés. Ouais, Hamilton, Norris, pareil. Verstappen. Enfin, Verstappen, c'est différent. Pourquoi? Je dis pas qu'il n'y a pas de vrais fans de Verstappen. Mais cette saison, en tout cas. Aïe, 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 tu mets le point. Grande partie des fans de Verstappen, c'est des fans par procuration. C'est les gens qui en ont marre de voir Hamilton. Exactement. Ce que je comprends. Hein. Exactement. Gasly n'est plus détesté. Ouais, mais du coup, Gasly n'est pas non plus hyper. Enfin, c'est pas le pilote le plus apprécié non plus, tu vois. T'as bugué, t'inquiète. Ah, pas. Qui est le pilote le plus apprécié sur la grille? Bah, en vrai, ça dépend. Compliqué. Si tu parles d'un point de vue chiffre ou d'un point de vue pourcentage entre aimé et pas aimé, tu vois. Parce que par exemple, Mazepin. C'est le pilote le plus détesté sur la grille, d'un point de vue pourcentage, c'est-à-dire qu'il a quasiment personne qui l'aime. Mais si tu regardes sincèrement, en termes de chiffres, le nombre de personnes qui ne l'aiment pas, bah en vrai, il n'y a pas tant de personnes qui ne l'aiment pas, tu vois. Mais Ricardo, vous pensez? Ricardo a très peu de haters, en vrai, quand il pense. Est-ce que Alonso a beaucoup de haters? Ouais, bah Alonso, il a déjà tous les fans de Vettel. Mais on est fatigué, mais on est fatigué! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, mais il y a une voiture en plein milieu, j'ai essayé de l'éviter, putain! Je t'ai vu partir d'un coup dans le jeu. C'est bon! C'est bizarre! J'arrivais pas à tenir vos voitures! Ouais, Vettel, en vrai, je pense à beaucoup moins de haters maintenant. Mais ouais, Ricardo doit être de loin le plus aimé, je pense.
Bah, à une époque, je détestais Vettel. Maintenant, Ouais, moi, de ouais. haine, mais c'est pas un pilote que j'apprécie non plus. Ah ouais? Je suis neutre vis-à-vis de Vettel, disons. Ok. Ok. C'est Ouais, vraiment cette techniquement, tête. hein. Cette petite tête de merdeux quand il gagne le championnat à Abu Dhabi, là. Aïe, aïe, hein, quand il tenait le doigt comme ça, là, debout, là, t'avais envie de le fracasser, hein. Quand il caressait son. Oh, quand il caressait Ah, le ça taureau. rendait Oh, fou, ya, hein. ya, j'avais envie de Ah, tout casser. ça. Quand il faisait ça, attention, hein. Prime moment hydro énervé, hein. Vraiment. C'est vrai que son slip, hein. C'est dans ces moments-là. Ouais. Qui n'aime pas Raikkonen? Non! Pourquoi? Où est-ce qu'il trouve du plaisir à faire ça? Épuisé, frère. J'étais gentil avec tout le monde. J'ai mis personne dehors. J'avais l'occasion de le faire. Dantino, c'est pas la première fois que je te vois. Hein. Alors toi, Dans le chat, il y y avait a pas une Alex. liste Il rouge. t'a répondu dans le chat. J'ai dit que... Attends, qui a dit quoi? On t'a demandé si c'était plaisant de faire ça. Je vois pas le commentaire, c'est ouf. C'est Drasher. Très plaisant. Je joue pas avec un playset parce que la chaise elle bouge pas, frérot. J'en ai pas besoin. J'ai vu une photo de toi dans un. T'as vu la photo en anglais que Kieran il a mis? Ouais. Elle date, hein, tu sais qu'elle date de 2018 cette photo. Hein. Tu veux pas plier les genoux encore plus? Bah gros, je suis T'es en train grand. de. Tu dégustes tes genoux à ce moment-là. Ah C'est incroyable. mec, c'est un petit truc, genre une activité, un truc 3, genre qui bougeait, un châssis là, qui bougeait là. Ah, j'étais grand, fallait rentrer, hop. Bam. Mais celui de la rescalote, tu rentres. Bah oui, mais le reste, c'est des track racers, tu peux les adapter, tu peux les régler et tout. Ah, ça Bah, va. c'était un truc public, tu vois. C'était un truc public. Il m'a ressorti ça, j'ai. Mais il a FF mental. Wow! Oh! Mais il a totalement FF mental, le couze. Il a cracouze, le couze. Aïe, 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 aïe. Si on te propose en 2025 de commenter la F1 sur Canal, tu t'y ferais? En vrai, ouais. En vrai, ça se refuse pas, mec. Commenter la F1, même la F2, hein. Moi, si demain on me propose de commenter n'importe quel championnat, hein. F1, F2, F3, Freca, F4 ou quoi, vas-y, let's go, hein. Commenter du sport auto, c'est avec plaisir, hein. À quel moment De tu devoir commenter refuses la une offre? W série. Franchement, moi je serais chaud, hein. Au moins, on apporterait un petit peu de visibilité à cette catégorie. Aïe, 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 J'allais j'ai dire quelque crevé. chose. Vas-y, dis ce que tu penses. Non. On parle français sur cette chaîne, tu le sais très bien, vas-y, parle. Est-ce que ça mérite vraiment de la visibilité? Il y a débat. En vrai, ouais, je pense. En vrai, je pense que oui. Je suis La déjà DAC pas avec fan du Anna. principe, mais. Ouais. En Parce que fait, ça veut la dire qu'en soi, question. tu leur fermes la porte pour les Ouais, mais créer de la question, nouveaux c'est pilotes, que les mettre si là-dedans. tu ne crées pas la W Series, comment tu permets aux meufs et surtout les jeunes pilotes de se démarquer et de venir en Formule 1? Tu C'est sais que vrai. la W Series, c'est autant un problème, mais c'est autant l'une des meilleures solutions qui existent pour les femmes actuellement en sport auto. Bon, il y a du positif et du négatif, c'est sûr, mais. Parce que oui, aujourd'hui, la W Series, c'est du coup mettre les femmes dans le même bateau, les mettre à part les hommes, etc. Sauf que bah malheureusement, dans le passé, les femmes, elles ont déjà été en F2, elles ont déjà été en F3, et bah sur le passé en tout cas, ça s'est mal passé, tu vois. F2, Tatiana Si. Calderon, elle s'est fait froisser. Manger. Mais alors vraiment, c'était ridicule. Sophia Flörsch, c'était pas glorieux non plus. Malheureusement, si on se souvient de son passage en monoplace, c'est l'accident à Macao. Donc Du coup, tu fais comment? Parce que tu vas pas forcer en disant il faut absolument une femme en F1 et du coup on la met Bah ouais, jusqu'à ce qu'elle si tu te finisse forces. à 40 secondes. Bah ouais, tu vas pas forcer à mettre des femmes. Après, Anna, elle dit souvent, bah si elles sont pas assez bonnes, elles ont qu'à pas être là, tu vois. Bah ouais, mais du coup, les femmes, du coup, n'ont aucune chance d'être ne serait-ce qu'un peu près de la F1, quoi. Oui, mais c'est pas quand elles arrivent dans les autres catégories, genre F3, F2, F1, qu'il faut commencer à réagir. Genre, le gros problème, d'après moi, vient plus de la source, tu vois, genre la formation, etc. C'est-à-dire.
Bah, niveau karting, dans les plus jeunes catégories. Niveau karting, elles s'en sortent. Si elles arrivent jusqu'à la W Series, c'est qu'elles ont gagné des trucs avant, tu vois. Ouais, non, ouais. Eh oui. Eh oui. Non, en vrai, c'est un vrai casse-tête aujourd'hui. Hein. En vrai, faudrait voir, tu vois, remettre une femme, l'une des meilleures, la Chadwick, par exemple, la faire rouler en F2 l'année prochaine, tu vois. Chadwick la faire rouler en F2 et tu regardes si elle a vraiment le rythme ou pas, tu vois. Parce que les voitures de W Series, c'est équivalent à la F3 ou la F4? C'est la F4, je crois. C'est... Non, en fait, c'est des F3. Déjà. Je crois que c'est des F3. Déjà, hein. Déjà la mettre en F3, tu vois, c'est déjà pas mal, ouais, sa voiture. On va voir comment elle s'en sort avec... Capacité aussi, c'est réel, l'homme est plus fort. Physiquement, ouais... Bah, physiquement, c'est au niveau de la force, etc. Après, gros, je t'assure, dans hein, une voiture, regarde Tatiana Calderon physiquement, regarde les pilotes de F2 qui avaient la même année, Tatiana Calderon, elle était stock, hein. Elle était giga musclée, elle avait un dos, un cou et tout, elle avait fait une prépa de fou, hein. Elle avait vraiment tout donné, hein. Et c'est elle devient quoi, bon, d'ailleurs? Je crois qu'elle fait de l'endu, ouais, Tatiana Calderon. C'est la F3 Régio, apparemment, là, oui. Elle est double 16. Elle a pas fait de la F3 Euro aussi. Peut-être. J'avoue, je connais pas du tout le parcours de Chadwick. Je vois pas pourquoi les filles seraient moins fortes. En vrai, y a pas de raison, tu vois. Peut-être que physiquement, c'est plus simple pour un homme. Mais une femme peut très bien se préparer et développer un certain niveau physique pour atteindre le niveau des hommes. Go créer la Giant Series avec que des grands. 1m95 et plus. Le problème, c'est que le karting, attends, c'est un sport de garçon de base, et filles talentueuses en voiture, ils font toucher un karting, mais 100% il y en aura dans le futur. Mais il y en a, hein. Il y en a, hein. Moi, j'ai hâte de voir, c'est Dorian Pain, si vous la suivez sur les réseaux. Hâte de voir ce que ça va, ce qu'elle va porter. Elle est jeune encore. Ouais, elle est jeune de ouf. Mais je sais pas quelle direction elle va prendre, mais il y a moyen qu'elle fasse des bons trucs et tout, elle. Hein. Elle peut être très 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 forte. Surtout qu'il y en a moins et qu'elles sont moins poussées à en faire tôt. Aussi, ouais, c'est vrai. Genre, faudrait une place en F3 pour la championne W Series, peut-être une écurie dédiée. Ouais, mais en fait, le problème aussi derrière, c'est qu'il y a un... Elle vise la GT. Bah, c'est ce qui J'allais dire, c'est ce qui me fait peur, c'est méchant en vrai. Mais je crois que Dorian, elle est plus GT, voiture de tourisme et tout, que monoplace. Mais le truc que tu soulèves là, en disant que le champion W Series devrait être en F3 automatiquement, c'est très cool. Sauf que, bah, du coup, si elle va en F3 et que ça se passe mal, qu'est-ce qu'elle fait derrière? Genre là, Chadwick, imagine, tu la mets en F3. Et ça se passe mal. Qu'est-ce qu'elle fait du coup après? Du coup, elle a été championne double series. Elle a fait la F3. Bah, on a vu que bah, elle avait pas le talent slash potentiel slash moyen slash je sais pas, tu vois. Enfin, du rêve, tu vois. C'est fini. Bah, tant pis. Ah ouais, mais bon. C'est aussi ça, hein, la W Series, oubliez pas. Hein. Ça permet aussi à Chadwick de briller et ça met en avant. Aujourd'hui, tout le monde parle de Chadwick. Hein, quand tu regardes. Grâce à la double series, tout le monde connaît Chadwick. Sache que je suis très bien parti, mon petit chacal. Ouais, j'ai vu ça. Toi, au moins, t'es bien parti. Chacal, je le fais pour toi, là, ce soir. Let's go. Vamos. Nan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 . Le jour où le championnat en roule, il y aura vraiment le jour. En fait, attention, le truc, c'est que, tu veux un vrai truc? J'avais réfléchi et tout, j'avais commencé à trouver des concepts. Sauf que, depuis qu'on a les bugs sur 2021, je vois pas comment on peut, tu vois. S'il faut relancer ouais, à chaque fois le jeu et tout, c'est un enfer. Je te dis, il y en a qui sont prêts. Hein. Ah ouais? Et pas qu'un peu. J'ai déjà sur mon bloc-notes, sur mon tel, j'ai déjà noté des trucs et tout, hein, des petites idées et tout, des lots qui pourraient être gagnés, le format et tout. Rissou, la prochaine fois que tu marques mon nom dans le chat. Attention, attends. Parce que du coup, ça a tiré mon oeil, j'ai arrêté de regarder, je vous ai pris un but. Oh, comment j'ai évité l'AlphaTauri. Oh, ce 200 IQ, comment j'ai évité l'AlphaTauri. Mais t'as spin, non? Non, en fait elle m'attendait et j'ai mis un grand coup de gaz pour spin devant elle, il m'a pas touché. Quoi? Non. Non. What? C'est quoi ce mur de pneus devant?
Je suis abattu, je suis abattu. Vraiment. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Verstappen, be like. Ah là 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 là. Mais c'est pareil, tu sais que moi je pense qu'on devrait, je sais pas ce que vous en pensez le chat, mais un format où tu fais monter genre le top 2 de Formule 2 et tu fais descendre genre un voire deux pilotes de F1. Ouais, non mais c'est impossible à faire. Un format comme ça, pourquoi? Mais tu peux pas obliger les équipes à prendre un pilote. Tu leur imposes de prendre un pilote, ça veut dire. Parce que si aucune écurie a envie de prendre le pilote en question. Bah mec, il se débrouille. Comment ça, il se débrouille? Bah, il se débrouille. T'as 11 équipes. Ils le prennent... Après, ils peuvent le prendre... En vrai, ils peuvent le prendre en troisième pilote. Parce que j'avoue, qu'en titulaire, c'est galère. Ça, peut-être en troisième pilote. Parce que genre, coup, genre, une sorte de draft, exactement, tu vois. Non, parce que ouais, sponsor... Ouais, mais c'est le but, c'est justement, de cette idée. Le but, c'est de bloquer les... Oh, il est passé. C'est de bloquer les contrats type Verstappen ou Leclerc chez Ferrari. Des contrats de 6 ans où tu sais que les pilotes ne vont pas bouger. Parce que là, on se rend pas compte, mais la Verstappen, Leclerc, Norris, Russell... Alors, Russell, je sais pas. Mais Verstappen, Leclerc, Norris, ils ont un contrat de 4 ans. Pendant 4 ans, il y a un baquet qui ne va pas bouger. C'est relou. Sinon, As, Ciao, plus de Mazepin et Schumacher. En vrai... Ou alors, tu fais descendre un pilote, le dernier. Tu fais monter le champion. De... Mais gros, tu fais. De ce qui vient de se passer là. Bah, il a spiné, il a crevé l'arrière. C'est clownesque. Je sais pas. Tu fais descendre qui? Bah, tu fais descendre le dernier pilote. Le mec qui a fini tout dernier. Après, j'avoue, c'est pas juste parce qu'il a une voiture de merde, mais. Les champions de F2, t'en fais quoi maintenant? En vrai? Bah, même si tu les fais passer en réserve, est-ce qu'ils auront envie de gagner? Parce que ça veut dire qu'ils conduiront pas forcément, tu vois, tu restes réserve quand même. Ouais, mais bon. C'est ce qui va se passer pour Piastri, du coup, tu vois. Russell serait descendu en 2019. Oh, j'avoue. Oh, j'avoue. Oh, j'avoue, ça aurait été très drôle. Enfin, non, du coup, mais... Piastri, à mon avis, je pense qu'il doit être garanti d'avoir une place chez Renault dans les deux ans. Bah, sinon, je pense qu'il remplace Alonso quand il se bat en vrai. Parce que gros, regarde, Piastri, pas de baquet. On avait eu le coup avec De Vries, pas de baquet. De Vries, l'année prochaine, Théo Pourchaire, s'il gagne le titre, on va rigoler. Parce qu'on rappelle que Zou, il a un contrat de 2 ans. Mais est-ce que Piastri, il ferait pas exprès de perdre le titre pour le laisser à Zou et pouvoir continuer à rouler un an? Alors oui, j'y ai pensé à ça, mais gros, tu sais que tu gagnes de l'argent quand tu gagnes des courses. Et que l'équipe a besoin de cet argent. Oui, non mais tu peux bien sacrifier quelques millions. Dit comme ça, voilà. Non, mais... vraiment pas en sport auto, non, pas en F2, non. Une P2 à la place d'une P1 pour pouvoir continuer à rouler, sachant que tu sais que l'année prochaine tu peux faire P1 au talent du pilote. Non. En F2, tu peux vraiment pas sacrifier le moindre euro, non, c'est pas possible. Piastri, il est chez qui? Il est chez Préma, non? Piastri, ouais. Tu peux me dire que c'est Préma en F2 qui a le besoin de plus d'argent quand même. Mais ils ont pas, Chrome, ils ont pas les moyens. Tu sais combien ça coûte une demi-saison de F2 à peu près? C'est cher, mais enfin, Préma, ça fait partie des équipes les plus riches de mais, F2. Ouais, quoi. Mais même. Piastri, c'est du genre de Russell ou Leclerc. Ah oui, clairement. Très, très clairement. Mais bon, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Le Piastri, bah, s'il conduit pas pendant une année, là, je dis pas qu'il a perdu du talent, mais bon. C'est dommage pour lui, parce que vraiment, c'est un crack. C'est un peu ce qui s'est passé avec Van Damme. Il a pas conduit pendant un an, et après, il est arrivé face à Alonso, il s'est fait défoncer, hein. Donc ça veut dire que Ocon est supérieur à Van Dorn. Quoi? Bah les deux se retrouvent dans la même situation, il s'est pas soulevé Mais Ocon il a roulé 2 ans avant d'être face à Alonso, il a roulé face à Perez. Oui non mais il a fait 1 an où il a rien fait. Ouais mais il a fait 2 ans avant. Tu penses que Van Dorn est supérieur à Ocon? Non. Voilà pourquoi tu me contredis alors. Bah je sais pas. Préma a suffisamment de thunes pour se lancer en P2, donc perdre quelques milieux, on ne voit pas. Mais non, mais les gars, mais ça marche pas comme ça. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous pouvez vous permettre d'en laisser partir, les gars. C'est pas une bonne mentalité, ça. Ça marche pas. Clairement. Et le 4 Tsunoda. Alors, j'avoue, Tsunoda encore en F1, ça me brise un peu le cœur. Hein.
Rachon, on commence vraiment à te détester ici. Hein. Shoot. Pourquoi? Je suis abattu, j'ai plus d'aileron. J'ai même pas passé le premier âge, j'ai plus d'aileron chacun. Bon, pour l'instant, ça va. Enfin, j'ai un morceau en moi parce que Rasher a pas décidé de pas démarrer. Sur l'âge, tu sors. Ah non, c'est Chaps. Oh. Wow. T'es derrière moi là du coup? Non. Alors t'es encore devant. Okay. Devant toi là. Ocon se fait poisser par Piastri dans la même voiture. Alors. Je ne pense pas. Ouais. Je pense pas. Bah, Ocon quand même, oh, il est solide en vrai. Hein. Il y a une haine vraiment envers Ocon. Il est très solide, Esteban. On se rend pas compte. Hein. J'ai pas le contraire. Le Piastri c'est très très fort aussi. Hein. Ouais non, Piastri c'est très très solide. Oh là là. Putain, la McLaren elle foutait quoi au point de corde là? Ocon il est dans le ventre mou quand même. Mais Drasher, mais mange. Oh alors, la vie de ma mère apparaît dans le chat. Ose apparaître dans le chat. Ose. Je crois qu'on va arrêter les no rolls, hein, c'est plus possible. C'est plus possible de faire des no rolls, vraiment. Si à chaque course on a... T'as planté ou pas? Non. Ça a planté là? Ouais, mon jeu il a planté. J'en peux plus frère, c'est bon, on est fatigué. Et je t'ai vu livre la session mais t'es tout seul. Bah yes, let's go. Un plaisir. Ah, si, il y a Chaps aussi. Il y en a pas... Ah si, c'est bien ça qui était. Un plaisir. J'ai jamais compris cette hype autour de Ocon. Mais y a pas de hype, c'est juste c'est un bon pilote. Moi j'ai jamais compris cette haine autour d'Esteban Ocon. C'est un bon pilote, vous voulez juste pas l'accepter en vrai. J'ai jamais compris non plus pourquoi il est détesté autant. Y'a Drasher qui a dit hello chacal, c'est moi si tu veux. Bon c'est bon frère, on est fatigué. Ce soir y'aura pas de live, Spinocchio. Y'aura pas de live. Ouais, on va tester sur les dégâts, Bobo. Je sais que Yarno il fait ça maintenant. Il fait sur les dégâts tester. Ouais, bah ouais, mais je pense que c'est à cause de ça en fait. Il y a trop de bugs. Peut-être. Il y a trop de bugs. Je l'ai eu le casque de Gasly. Il est sur le site AlphaTauri, les potes. Il y a en ce moment. Tu peux rejoindre, mec. J'ai mis sur Ami uniquement. C'est sûr qu'il y a du balai. Ah bah non, il est pas là. On va faire Baku. On va faire Singapour, USA et un dernier. On fera France. Bahreïn. Allez. Bahreïn en rules. Oui. Attends, Baku en rules. Mais frère, tu joues à quoi? Il y a pas les dégâts. Il y a pas les dégâts. Non, pas les dégâts. On peut pas coter. C'est Singapour. Tu veux coter où? Singapour, tu peux cut. Non, je viens de voir un menteur qui retourne. Mais allez, arrête, c'est bon, tu peux cut, arrête de te plaindre. Tu peux cut à deux virages, j'ai mis la météo en... Oh non, mais tu... Mais attends, j'ai pas fini le lobby, espèce de fils de... Quoi? Quoi? T'as de la chance que ta maman est très très sympa. Hein. Tu la connais, hop. J'en déduis que c'est une mauvaise personne. Non, j'ai confiance en elle. Laisse-moi tout désactiver, c'est bon. Voilà, on va tester sans les dégâts, c'est bon. T'as fini de te plaindre. La session est ouverte, vous pouvez rejoindre les amis. Ah, oh, j'ai oublié de mettre les voitures F1. Voiture F1, hop, fixé. Je prends le kill. Hop, bon, je vais prendre... Je vais prendre Mazépine, voilà. Nikita Mazépine. Pararam pam pam, il vient de se lever chacal. Chacalino il est ronchon aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. Je suis malade, j'ai dormi 4 heures dans les 3 dernières nuits, j'en peux plus. Ah,
Terrible. Arabie Saoudite, Singapour, États-Unis, ça va. Bahreïn, Abu Dhabi, ça va. Ça va très bien, ça va très bien. Et Singapour, mon ref. C'est vrai qu'Ocon, il a le charisme d'un beignet, mais il a un bon coup de volant. Un beignet, vraiment. Un beignet sucré au sucre? Non, c'est un donut, non? Il naise. Marche. C'est le faire, en vrai? Moi, mon donut au sucre sucré. Tu sais faire, Homer? Je vais juste faire le oupinès, sinon... À une époque, j'allais faire le grand-père, comment il s'appelait? Comment il s'appelle le grand-père de Homer? Enfin non, le père de Homer, pardon, le grand-père de la série, du coup. Abraham. Abraham, ouais, c'est ça. Oh merde. Quoi? J'ai tenté une imitation, rien que dans le... Je sais pas, dans les premières paroles, je sentais que ça marchait pas. Ah là 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 là. Pa 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 pa. Oh, ça c'est un jeu que j'avais avec des potes. De quoi? C'est qu'on était en rond et à chaque fois il fallait qu'on donne à quelqu'un. Enfin, genre celui qui est à ma gauche, je vais lui donner quelqu'un à imiter. Et il pouvait pas refuser donc il essayait. Et parfois ça donne des imitations éclatées, c'est ça merde drôle. Ah ouais? Bon là je dis imite. Imite Bob l'éponge. Tu sais pas le faire, mais t'essaies, tu vois. Ça donne des imitations affreuses. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, non, je suis pas du tout faire Bob l'éponge. Mais j'ai même pas la voix, le son de sa voix en tête. Non, ouais, j'ai pas. Bon, vas-y, let's go. Y'a pas les dégâts du coup? Y'a pas les dégâts du coup. Voilà, laissez-moi en profiter. Hein. Premier virage. Oh, j'ai oublié de freiner. J'aurais dû mettre les fantômes. J'aurais dû mettre les fantômes. On expérimente des trucs, les gars. On expérimente des trucs. Ok, les lives, Enfin, les gars, je viens de lancer un live. On va faire Jeddah à contresens. Voir ce que ça donne au niveau de tout le circuit. Oh, j'avoue, j'ai envie de tenter. Premier virage, la fond. Oh, j'avoue, j'ai envie de tenter. Non, j'ai pas vu la livrée alpine. Tout le monde en parle. Une livrée spéciale alpine? Ah, faut croire. Je sais que Williams, ils ont mis le logo, ils ont mis le nom de Frank Williams sur l'arrière de la voiture. Le circuit à l'envers est incroyable. Merci pour ton prime, mec. C'est des fous. Attends, vas-y, je fais un tour et après je fais un tour à l'envers aussi, j'arrive. Mais quoi, y'a le Frank. Waouh. What the fuck. Je vais me faire cogner partout. Il y a un logo casserole pour les 100 GP. Ah, ok. Mais y'a un logo en grand ou. Mais Drasher, tu ruines mon existence, Drasher. Vraiment, tu me gâches la vie. Aïe, 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 aïe. C'est pas... Un logo vert, le A sur l'arrière. Oh, j'ai très peur. Attendez, vous savez quoi? On va rentrer, on va mettre des wets. Merde. Regardez-moi ces deux trous du cul. En Quinty et Drasher, vous êtes les pires. On va mettre des wets et après on va faire le tour à l'envers. J'ai envie de voir ce que ça donne, Jeddah à l'envers. Après les brown tricolores, c'est verte maintenant. Ah ouais. Moi je veux. Attendez. Pas quelqu'un qui a mis une photo ou quoi? Non, y'a pas. Merde. Ok, alors. On va tester le circuit à l'envers, les gars. Jeddah à contresens, c'est parti. Quoi? Mais. Merci. Tu t'es mis avec les pneus, ouais, tu vas faire que deux spins. Bah non, mais surtout que le jeu il m'a remis dans le bon sens. Ah bah. Ok, vamos. Bon, alors. Let's go. Oh, y'a un mec qui me suit. On arrive sur l'épingle. Attends-moi pour faire. Ouais, dépêche-toi. Ouais, j'arrive. Drasher, oh. Lâche-moi la grappe. Oh. Oh. C'est impossible, c'est impossible. Impossible, tout le monde qui. Mais qui c'est qui me rentre dedans là? Laisse-moi, qui c'est qui me rentre dedans là?
Oh, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce lobby, frère. Allez, c'est bon, j'abandonne, j'abandonne. Hop, stop, stop, stop. Pire idée de faire le truc à contresens. Lui m'a envoyé les photos, je crois. Oh, ça va, ça a l'air stylé, non? J'ai que ça. Ça a l'air stylé en vrai. C'est très moche. Ah ouais? Moi, je trouve ça clean. Attendez. Je vous montre ça, les potes. En vrai, c'est clean, non? Ça fait un peu. Ouais, je sais pas. 100 races with Renault, ouais. Si, ça a un peu de flow, non? Super moche. Ah ouais? Mais y'a pas une photo de dézoomé? Et c'est le logo de Perrier, ça, je reconnais. Le logo de Perrier? Ça fait penser à Perrier, couleurs, un peu, le vert. Couleur, oui, les couleurs, mais. C'est laid, faut avouer. Tout l'arrière de la voiture est vert. Ouais, j'avoue qu'en fait, s'il y a trop de vert, c'est peut-être pas joli. Bah, pas si tout l'arrière de la voiture est vert, c'est horrible. Ouais, apparemment, faut voir dans son ensemble. Ouais, c'est ça en fait, faut voir dans l'ensemble. Je sais pas si Lulu t'as un tweet ou pas. Ah ouais, oh! C'est tout vers l'arrière. Oh! Mama! Oh, qu'elle est moche! Oh, qu'elle est moche la voiture! C'est idiot. Vous avez vraiment pas mieux? Ah ouais, non, elle est hideuse. Hollywood chewing gum. J'avoue, il y a un style. Hein. J'avoue, en vrai, il y a un petit. Il y a un petit truc. Yo, ZBK. Il aurait fallu le jaune de Renault. Ah non, là, c'est pour Castrol. Castrol, c'est vert, du coup. Mais ils auraient pu faire ça mieux, tu vois. Castrol, ok. Ils auraient pu faire ça archi mieux. Là, ils ont juste tout peint en... Tout peint en vert, quoi. On dirait des paquets de Hollywood. J'avoue. Ah, c'est... On dirait 7-Up. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais... C'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. C'est quoi, l'Alpine? Bah, c'est l'Alpine de ce week-end. C'est un stagiaire qui a fait ça. No idea. No idea. Renault recommande Castrol. Est-ce que tu utilises Castrol, Chacalignon? Chacalignon, on vous attend, abandonnez. C'est l'essence, non? Oui, oui, c'est l'essence. On vous attend. J'ai pas de voiture à Marseille, donc. Bientôt les 1 an, merci Terol. Après, ça marche, t'es mort, on en parle. Oui, c'est vrai, mais ça aurait pu marcher, que ce soit joli aussi, tu vois. Ça aurait pu être une belle livrée, on en aurait parlé aussi. Ils vont quand même pas faire ça. Si, si, monsieur, si, si, si. Allez, Mota, Drasher, Chaps. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Chaps, allez là! On vous attend les deux là. Come on. Test un lobby avec 10 personnes max en no rules avec les dégâts. Le jeu crash peut-être parce que vous êtes 20. Et du coup, il y a plus de dégâts. On teste à 10. Oui, alors, tu peux dégager Quinty, Chaps, Drasher, et après tu peux décider. Mais c'est juste mes indications. Bizarre, ça m'a l'air vachement visé. Bon, peut-être parce qu'ils m'ont gâché la vie sur les 3 derniers lobbies, mais... Moi, je propose qu'on vienne à Rémi, Liando, Chacalinho. Oh, je suis étonné. Oh. Qu'est-ce que je vois. Il y en a dans le chat. Il a dit, je t'ai aidé. Hein. J'ai débloqué le Drasher, il a dit. Mais moi je l'ai bloqué sur la chaîne. T'auras moins de bugs que tu recrées un lobby à chaque course, mais pas sûr. Ouais, mais flemme de refaire un lobby à chaque fois, gros. On peut tester à 10 en vrai, ouais. On peut tester à 10 et voir ce que ça donne. Voir si ça... Ouais. Eh, hey, Lucas, viens DM. J'ai un truc à te dire. Je rigole. C'était la pire approche au monde. Oh là 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 là, mais t'as pas honte? On voit, non mais non. Mais... Non, non, on voit pas, on voit surtout pas. Vous n'êtes plus modérateur sur cette chaîne. Quoi? Ça allait mettre, vous n'êtes plus modérateur sur cette chaîne. Mais si, mais si.
Aïe 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 aïe. Non, je rigolais, Rémi, t'inquiète. T'inquiète. Bon, Mota et SND la menace là. BO2, il va se. Hein? Il va se calmer tout de suite là? Qu'est-ce qu'il a? Il est mort derrière l'autre. Ça m'a... Son pseudo, il est incroyable. Ça m'a fait penser à si Jerem avait ce pseudo. Genre, t'imagines, Jerem la menace, les larmes. Vraiment, Il ça est me ferait con. énormément rire. C'est quoi? Trouver des subs, des donations gold pour Jerem. Déjà, il y a On le retourne. OnlyFans de Jerem. Let's go. Danana, comment va? Ça va et toi fait ouais. Imagine l'Alpine avec un aileron vert, mais il est vert l'aileron. Il est déjà vert mec l'aileron. Pourquoi la base? J'avoue pourquoi la base, Jerem la base. Alors c'est... Je sais pas. Mais du coup il va streamer Jerem Oui, il stream. Oh là là, incroyable Mais hein. tu stream depuis chez toi, toi? Ouais, moi je serais pas en... je serais pas à Paris. Ah merde, lui il Moi sera je à serais en Paris. distanciel là. Bah frérot, je t'avoue là les retours compliqués hein. C'est dommage que tu sois pas à Paris parce qu'il avait prévu quelque chose et attention. C'était Light Tracker? Ouais. Ouais, bah Light Tracker c'est moi qui l'a donc il a rien prévu pour l'instant. Ah bah ça veut dire... Oh bah préviens-le parce qu'il comptait sur toi pour lui prêter. Hein. Bah oui, mais du coup faut qu'il me donne son adresse et tout. Il m'avait dit Ouais, ouais, moi je c'est l'ai pas. si Il tu m'avait veux. pas dit ouais, t'as un Light Tracker et tout. J'avais fait si tu le veux. Il m'avait fait ouais, ça m'arrange. J'ai fait ok, mais. S'il me le redemande pas, je vais pas lui envoyer. Je Attends, fais des de Jerem, neurones c'est jusqu'à quand? 67. Oh! Oh! Je donne pas d'adresse, même si c'est des fausses. Il y a Azubelex qui demandait on fait du neural jusqu'à quand? Bah ça dépend, t'arrives quand toi? C'est le dernier lobby. Quel dommage! Par contre vraiment, je vous le dis, si le jeu est replante, on relance pas le jeu, j'en peux plus vraiment. J'en peux plus, hein. Demain matin, Mais oh casting non, de non, bah mine. non, c'est. Oh, c'est Quoi? sûr, ça crache, hein, je te l'annonce. Pourquoi? Circuit de nuit, serré, avec beaucoup de graphisme. S'il y a des dégâts et des crashs, c'est mort. Mais non, mais non. Mais Hein. non. Ok, tu me donnes 20 euros si ça crache. J'offre 10 subs si ça crache. Et si ça crache pas, tu les offres. Alors. Chacal. Bof, hein. Bof. J'ai Non, j'ai laissé large. Pourquoi tu... Ah, tu m'as break check en pleine ligne droite, c'est bon. Fatigue, en pleine ligne droite de quoi? C'était un virage, j'ai pris large. Il y avait zéro virage. Mais Tu zéro m'as en giga plus. break check, gros bâtard. J'aurais pas fini une course aujourd'hui, voilà. J'espère que quelqu'un a clippé ce grognement. Tu grognes souvent dans la vraie vie? Ça Ah. arrive. Dans quel contexte? Dans un contexte de Fut Champions par hasard. Enfin, par exemple, pardon. Non, mais la Red Bull, on te souhaite le malheur, la Red Bull là. Ah bah voilà, si tu m'avais un petit peu écouté, je t'avais dit Quinty dehors, t'as pas voulu le virer. Et voilà, ça a craché. Voilà! Ah, pas Je crash. l'avais dit. Ça a pas Pardon, crash. alors moi je t'envoie une Bah, ça photo, a ça a pas crash. craché. Moi, ça a pas crash. Moi, ça a pas Et moi je crash. t'envoie une photo, moi ça a crash. Hein. Moi, ça a pas crash. Hop, allez hop. Non, mais c'est ton PC qui tient pas. Non, non, moi, ça a pas crash, les gars. Charles Roucmout. Ça a pas crashé, les potes. Tout le monde a crash, mon Ça ref. a pas Des crashé, mon crash pote. de billes, voilà, Drasher dehors. J'ai Non, non, crash non, non, aussi, non, non. Sushi dehors. Il y a eu zéro crash, mon ref. Yes, il a Regarde. craché, allez. Non, 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 Ah non, non, mon non, non, ref. non. Mon ref, les 39,90€. Mais y a pas gros, tu vas pas en roule là? Tu roules, Les sans gens ils les autres, mais tu quittent. roules. Les gens ils quittent, ils sont pas disconnectés, c'est différent. Bizarre. Les gars, le jeu n'a pas crashé, n'arrêtez. Ne vous faites pas avoir par les fake news de Chacal. Regardez, nous on roule, tout va bien. Peut-être que le jeu il a crashé parce que t'es nul en vrai. What? Non, je suis pas tout seul, on vient de voir un mec à contresens déjà. Donc on est minimum deux. Il y a un mec devant moi là. Bande de bâtards, on est deux. Bande de bâtards, on est deux, hein, c'est exactement ça. Oh, Chacal Ligno a quitté la session. Bah alors, Chacal, t'as quitté?
Oui, Lucas, il a un potentiel fixe, mais il l'a proposé, mais le streamer, il l'écoute pas. Mais... Un baiser, toi. Mais t'as dit, il fallait mettre 10 joueurs, mais du coup là, t'as fait la sélection naturelle, c'est ça? Exactement. Et on va rester que ceux qui restent. Regardez, lui, il a pas bugué. Lui, il a Ah, pas autre crash. chose. Je remonte tranquillement, mais sûrement. T'as prévu quoi comme donation goal d'ailleurs? Tu peux Je t'ai dit teaser que un j'en peu avais ou... pas. J'en ai pas. Ah, mais je pensais que t'en avais déjà trouvé. Non, j'en ai pas. Si vous avez des idées, je prends, les gars. Faire des donation goals avec Jam. Une semaine où tu fais que des no-rolls. Oh non, 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 non. Déjà le soir, j'en peux plus, c'est bon. Regardez, Rémi il a pas crashé. Bon, là il vient de se faire crasher, mais. Rémi il roulait. Non, non, non. Fatigant, c'est fatigant, c'est fatigant. C'est bon, tu t'écrases tout seul comme un con. Ce jeu me fatigue. Je n'en peux plus, Chacalinho. Non plus, j'en peux plus. Je suis à bout là. Vraiment là, on est à bout. Moi aussi, je suis à bout. À Zoubalex, à Bouzalex. Moi, je suis à Bébou. Mais regardez, tout le monde se crache. Il y a juste Bobo là, il est champion du monde, mais. Oui, bah j'ai vu que je me suis crash tout seul. Merci, c'est bon. Demain, tu fais un open lobby? Oh, il m'a Je fait sais pas, peur. on verra, ouais, peut-être. Bah si t'en fais un, tous ceux qui sont dans le chat là ou dans la session, avant de rejoindre Hydro demain, vérifiez tous vos fichiers du jeu. Ah, tu penses? Ça peut fixer. Moi, j'allais vérifier les miens avant de lancer le jeu pour la course. Toujours vérifier les fichiers du jeu avant. Tester. Bon après Ok. demain tu testeras aussi 10 joueurs. Et c'est Singapour, c'est pas censé crash normalement. Ah, parce Le qu'il est circuit qui crash, c'est statué. le circuit à haute vitesse. Et du coup, bah quand vous êtes 20, bah, il y a plein de dégâts, donc c'est circuit à haute vitesse. Généralement, c'est Russie et Monza. Ok. Après, il peut y avoir d'autres circuits, mais je pense que c'est parce que vous êtes trop longtemps sur le jeu. Ok. C'est pour ça. Potentiellement, recréer une session, mais je pense pas que ça change grand-chose. Ok. Parce que je pense pas que ce soit la connexion ou quoi, c'est plutôt le jeu en lui-même. Ouais. On va faire ça demain, ouais. Ok. Après, bah, je pense aussi qu'il y a des circuits à éviter, mais enfin, ils sont tellement bien pour le no-rules que c'est Eh pas trop les oui! éviter. Eh oui! Eh oui, eh oui, eh oui. Du coup, vous Lucas, t'es avez malade, mon rejoint ou roi. pas là? Oui, je suis encore un peu malade. Ça s'entend. Hydro, il vous montrera à la fin du live comment vérifier les fichiers du jeu. Non. C'est très simple. C'est sur Steam, vous faites clic droit, vérifier les dossiers, les fichiers du jeu. Exactement. Exactement. Parce que là, du coup, on est plus que 2, 4, 6, 8, 10. On est 12, 13. On est 13 dans la session encore. Il y a une partie du lobby qui crash, faut Alt F4, sinon on crash à celui d'après. Je pense que là, par contre, Azubalex a raison. Oui, là tu vas Je mais pense que recréer un nouveau là. lobby sûrement. Parce que là, à mon Là. avis, si tu gardes le même lobby, ça va Ça va crash. crash. Ouais. Peut-être en recréer hein, du coup. Mais du coup, non, en fait. T'es prêt? Prépare-toi. Hein. Chacun des deux, prépare-toi. Je fais une dernière course. La dernière course là? Be ready, Chacal à rejoindre. Ok. Let's go. Let's go, let's go, Chacal. Allez, come on, Chacal. Il faut que tu sois dans les premiers. Elle est ouverte, hein, directement. La session elle est ouverte, tout le monde peut rejoindre. Hein. T'es pas le premier. Mais pas la pression, je tiens pas la pression. Fais gaffe, Chacalinho. Hein. Il y a déjà beaucoup de monde. Hein. On est déjà 15. Hein. Dépêche-toi. Hein. Ça, de 15. On est Oh, 15. c'est Hein. Marseille le stand. Un bon billet, on est 9. 10, 12, 13. Paramètres. Quelle course on se fait, les gars? Un dernier circuit. On se fait un no-rules ou un normal? Est-ce que tu crois vraiment qu'après avoir conduit en no-rules, ils sont prêts à repasser sur la conduite normale? T'as raison. Honnêtement. J'avoue, tu marques un point. Collision. Activé, fantôme désactivé. Dégâts. Règle désactivée.
Pas de pluie, réaliste. Hop, hop. On va pas mettre d'essence d'essai. Pas de qualif. Cours. Aléatoire. Les gars, il nous faut un circuit pour finir. La One France. last one. Ok, ça roule furieusement. La France pour les no-rules. On finit en France? Ah, bon. Pour les Oh no-rules, non, il est Abu bien. Dhabi, Ou Abu flemme, Dhabi, lui. peut-être, ouais. Non, Abu Dhabi, il est horrible en vrai. T'aimes bien? Bof. Abu Dhabi ou France? Non, pas Monaco, pas Monaco. Abu Dhabi ou France, on vous laisse le choix. Il y a un mec, frère, tout le temps, quand tu demandes des circuits, il dit Chine. Bah, il a le Je crois que droit c'est le mot du circuit de d'aimer. Chine. Il a le droit d'aimer le GP de Chine, frère. T'es raciste? Enfin, c'est bizarre. Pourquoi cette question tout le temps? En fait, je trouve que c'est vraiment le truc le plus chiant quand t'es dans une discussion, quand t'es dans un débat. Le mec qui te sort, t'es raciste, frère. Nique ta C'est mère. Roscoe C'est pas de... Roscoe qui avait répondu oui ou. Quoi? Ah oui, il y en avait un qui avait dit oui un jour. Je crois que c'était Roscoe quand on Tout le était. monde a dit France. Oh, live 24h, ouais. Ouais. Faut C'est le vrai, plan, c'est ça fait vrai. jeter. Genre, tu sais, tu es en discussion, tu débats d'un truc et tout. Moi, j'aime pas ci, moi, j'aime bien ça et tout. Et là, t'as un mec, il arrive et il te fait, bah, t'es T'es raciste. raciste. T'es là en mode, bah, enfin, rapport. Pourquoi? Ça ruine tout, tu vois. Ah C'est là quoi tu là là là. réponds? Bah non, parce que je vois du level up. Point d'exclamation Point level up dans le d'exclamation chat. level up. Bien évidemment, n'oubliez pas, c'est la Black Week, les gars. On profite, un pot acheté, un pot offert. Et D'ailleurs. vous achetez sur internet, faut se protéger sur internet, non? Point d'exclamation VPN. À chaque fois, j'oublie le point d'exclamation, je crois que c'est VPN. Oui, point Point d'exclamation d'exclamation VPN. VPN pour CyberGhost. CyberGhost, d'ailleurs, qui sera fini dans quelques jours, là. Sad. Allez, profitez-en avant que ce soit la fin. Sad. Vous serez plus protégé. Enfin, moi, j'ai encore, ils m'ont passé un compte, donc ça va. Mais. Oh, Et il y a sortez protégé, hein. Jordan! Sortez tous protégés, bien évidemment. Jordan! Bébou! Ah non, merde. Tout le monde n'est pas bébou. Toi, tu bébouesques un peu tout le Moi, je monde. béboule les Trop de gens, mots-là. d'ailleurs. Ah, ce que je... Ah, d'accord, ok. Non, Pourquoi tu le prends mal? Non, mais je, Bizarre. ouais, moi, je, voilà, je pensais qu'il y avait quelque chose Bizarre. de bébou, que t'appréciais bébou. C'est pas... C'est la forme de bébou, hein. Non, il y en a 12. Ouais. Je suis mort. Aïe, aïe, aïe. En parlant de racisme, j'ai un pote qui est noir, mais que les noirs lui dégoûtent. Allez chercher la logique. Quoi? Y a des messages qu'il faudrait pas lire Il y a des parfois. fois, ouais, des fois, je dis des messages, je sais. Vraiment, vraiment, il y a des fois, je Y vois a des Zubala, ils ont le messages. lobby là. No rules, hein, n'oublie pas. Hein. Il joue au clavier, ok Nixam. Il était fort à l'époque, il roule plus maintenant. Ah, Nixam, il était trop fort. Hein. C'était il y a un an pour les confinements, mais. Qui a bugué? Allez là! Qui c'est qui a bugué là? Azubal, alors c'est pas parce que c'est lui, mais Azubalek, c'est encore son pseudo C'est qui pas lui. tournait. C'est Ça pas s'est lui du passé. coup. Ah, c'est Tritoon. Ah, Hein. si, c'est Azubalex. Si, regarde, tu vois. Azu! Azu! Dors! Azu, dors! Merci Voilà. Azu, c'est moi. Merci mon roi. Voilà, les Vous êtes races comptent nul, sur vous vous êtes du coup. nul! Vous êtes Sache que c'est nul! à cause de Azubalex, hein, Vous êtes nul! On T'es vous marre de te. déteste! Bande Fais-moi de l'ingénieur de course. FTP, sérieux! Ah, mais t'es pas mort, incroyable. Ah, j'ai survécu. T'as quelques balafres. Exactement. Tranquille, tranquille. Yo, hello à ceux qui arrivent. Chat, le câble jusqu'à 20h30. Le live. Non, je pense que c'est la dernière là en vrai. Je pense en vrai là, on en fait une dernière. J'ai planté A. Ah. A. RIP. Vraiment bizarre. Bizarre. Bon, il y en a qui connaissent pas les trages en France. Hein. Non, j'ai Elliot derrière moi. Derrière toi, j'étais. Shoots, baisse ta race, c'est bon. Tu me casses les couilles depuis 8 lobbies de suite, tout le temps! Tout le temps! Dis ce que tu penses, chaque année, vas-y. Exprime-toi. Oh!
Sur quelle ligne, vas-y. Non, bah non, non, bah non. Ouais, une fois ça se passe bien, j'en peux plus. Quel est le but, pourquoi? Il est peu de ce petit enculé. J'ai une technique pour rouler avec des crevaisons maintenant, c'est trop trop efficace. Hein. Vraiment trop trop fort. Hein. Tu fais quoi? Non, non, Zrex, il n'y aura pas de Life Forza ce soir. En fait, tu freines un petit peu. Tu touches le frein pendant que tu es à fond sur l'axel. Du coup, ça baisse la voiture et du coup, tu es tranquille. Tu perds la vitesse de pointe. Ouais, mais au moins... tu me diras sur trois roues déjà. Bah ouais. Au moins, tu roules. Ah, tu connais avec les deux pieds, toi, c'est... C'est pour le style, tu vois. Regarde, un deuxième. Voilà. Tahmichou, les figures de danse. Non, y'a pas de stream ce soir, frérot. A plus, ciao, ciao. Vas-y, Balex, il va te rentrer dedans, c'est ça. Quel chien. Il t'a pas touché, hein. Quel chien, ouais, mais même. Il a voulu. Mais j'arrive pas à la remettre droit à la voiture. Au pire, je vais tuer quelqu'un. Dis-moi qu'il faut tuer. Oh, shoot. Il est combien? 3. Red Bull. 3 Red Bull, t'es sûr? Oui, il assigne là. Il prend large assigne. Oh. Oh, je le rattraperai pas, mon ref. Je suis désolé. Hein. J'étais sur la POV de shoot, je vois une McLaren faire un recul en train de tourner. Ah, c'est bon, on est fatigué. Allez, c'est bon, on arrête les conneries. Je pense que j'ai assez donné de ma personne pour aujourd'hui. Quoi? T'as dit quoi? Moi? Ouais? J'ai rien dit, j'ai pas parlé. Ah, ok. Je croyais que t'avais parlé. Je pense qu'on a assez donné, les gars, pour aujourd'hui. Tout ça, de toute façon, si j'en suis là, c'est parce que j'ai pas gagné la course à Jeddah. Hein. Ça me paraît assez obvious, hein. Ah, c'est dans tu le peux jeu. Tu peux t'en prendre qu'à toi, même. Si tu m'avais prévenu aussi qu'il y avait les pénas. Pourquoi ça, moi j'étais dans le bus? Non, t'es dans le bus. Est-ce que t'avais ton Cyber Ghost VPN d'ailleurs? Dans le bus? Ouais. J'avais ma 4G donc bon. Voilà. Bah ouais, mais il fallait protéger ta 4G. Imagine, y'a un mec qui se connecte sur ton téléphone en 4G. Bah je nique ça. Nixam? Ouais, Nixam, il était super fort en Open Lobby. Ouais. Incroyable. N'oubliez pas, un VPN c'est ce soir, je crois, c'est fini. Là. Non, c'est la Black Week qui se termine demain, je crois. Ah. PVP, non, c'est sur Level Up, t'as non? Ouais, Level Up. Je crois que ça se termine ce soir. Et la Black Week, le VPN, ça se termine en fin de semaine. Trop de sponsors, il s'en sort plus. Quoi? Trop de sponsors, tu t'en sors plus. Ouais, exactement. Bon, en vrai, on va arrêter là-dessus. Hein. Oui. On va arrêter là-dessus, les potes. C'était pas prévu qu'on fasse aussi longtemps du F1, mais c'était fun. C'était fun. Tu t'es bien marré, Chacal? Bof. Dis oui pour le stream. Oui, oh là, des grosses barres, vraiment. Vraiment, on s'amuse de rire ici. C'est vraiment un pur bonheur à chaque fois de... Yes, d'ailleurs, j'arrive à la fin. La story.